Bonjour à toutes et à tous. Je déclare ouverte la séance plénière du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale du vendredi 20 novembre 2020. Ik verklaar de plénière vergadering van het Brusselse hoofdstedelijke parlement van vrijdag 20 november 2020 geopend. Alors, différentes communications ont été faites au Parlement par la Cour constitutionnelle. Par la Cour des comptes, elles ont été transmises à notre Parlement, elles figureront au compte-rendu intégral de cette séance. Il y a également divers arrêtés qui ont été transmis au Parlement par le gouvernement, ils vont figurer également au compte-rendu intégral. Je vous épargne la lecture parce qu'il y en a beaucoup. Divers rapports de certification de comptes également d'organismes régionaux nous ont été transmis par la Cour des comptes, ils sont renvoyés à la Commission des finances et des affaires générales, ainsi qu'à la commission du budget et du compte du Parlement et à la commission de l'environnement et de l'énergie. Par lettre du 18 septembre, la déléguée du gouvernement transmet le rapport annuel 19 sur la simplification administrative en région de Bruxelles-Capitale. C'est renvoyé en commission des finances et des affaires générales. Le président de Brugel ainsi que l'administrateur nous transmettent le rapport qu'ils ont fait et le rapport de la Cour des comptes. Il est également renvoyé à la commission de l'environnement et de l'énergie. La Cour des comptes européenne transmet au Parlement les rapports annuels sur l'exécution du budget de l'Union européenne relatif à l'exercice 19. Et notamment les activités relevant des 8e, 9e, 10e et 11e fonds européens de développement renvoyés à la commission chargée des questions européennes. Brugel nous envoie sa proposition de budget 2021 renvoyée à la commission des finances et des affaires générales et à la commission de l'environnement et de l'énergie. Alors, le 17 novembre, le secrétaire d'État à la région de Bruxelles-Capitale chargé de l'urbanisme transmet au Parlement un rapport relatif à l'importation, l'exportation, au transit, transfert de produits liés à la défense, d'autres matériels pouvant servir à usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu, à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions. Le rapport annuel du gouvernement approuvé le 12 novembre 2020, couvrant la période du 1er janvier 19 au 31 décembre 19 inclus, renvoyé à la commission des finances et des affaires générales. Alors, nous avons également reçu l'avis du Conseil de la politique scientifique. Il est renvoyé à la Commission des affaires économiques et de l'emploi. Le gouvernement, en date du 26 octobre, a déposé un projet d'ordonnance qui modifie le chapitre 3 bis du titre 4 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire. Il est renvoyé à la Commission du développement territorial. Le 28 octobre, le gouvernement a déposé 18 projets d'ordonnance qui portent sur des assentiments d'accord entre la Belgique et différents pays. Je vous épargne la lecture de ces 18 projets d'ordonnance. Ils sont renvoyés à la Commission des finances et des affaires générales. Ensuite, le 12 novembre, le gouvernement a déposé le projet d'ordonnance qui porte confirmation des arrêtés du gouvernement pris en exécution de l'ordonnance du 19 mars 2020 visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19. C'est le document 274-1. Il est renvoyé à la Commission des finances et des affaires générales. Le gouvernement a également déposé un projet d'ordonnance qui porte assentiment à l'accord de coopération entre le fédéral, la région flamande, la région wallonne, la région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de plusieurs dispositions de la directive 2016-2284 du Parlement européen et du Conseil concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques modifiant les directives 2003-35-CE et qui abroge la directive 2001-81-CE renvoyée à la Commission de l'environnement et de l'énergie. Par courriel du 13 novembre 2020, le groupe MR communique une modification dans la composition des commissions permanentes. Elle figurera en annexe du compte-rendu intégral de cette séance. Alors, je vous rappelle que à notre ordre du jour, nous avons un scrutin secret en vue de la désignation de deux membres effectifs, un homme et une femme, un francophone et un néerlandophone pour le conseil d'administration du Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations. Le scrutin, j'en avais parlé lors de la dernière séance, le scrutin secret au moyen d'un bulletin papier aura lieu dans la salle des glaces de
9h30 à 17h30. Il vous est demandé de mettre une croix à côté du nom de deux candidats, parmi lesquels un homme et une femme, un francophone et un néerlandophone, un ou une évidemment. Le genre et l'appartenance linguistique des candidats sont mentionnés sur le bulletin. Le bulletin sera remis aux députés dans la salle des glaces. Seuls les députés peuvent déposer un bulletin dans l'urne. Seront considérés comme nuls les bulletins qui comportent plus de deux suffrages ou deux suffrages pour des candidats, soit de même genre, soit de la même appartenance linguistique. Le scrutin secret pour la désignation des membres suppléants sera inscrit à l'ordre du jour d'une prochaine séance plénière. Donc j'invite tout le monde entre 9h30 et 17h30 à aller voter personnellement dans la salle des glaces pour le scrutin. L'ordre du jour appelle la prise en considération de la proposition de résolution de Madame Lefranc, Frémaux et consorts visant à instaurer une sensibilisation, une formation des acteurs de terrain, un financement du secteur associatif, ainsi que la création d'une application dans le cadre de la lutte contre la diffusion non consensuelle d'images et d'enregistrements à caractère sexuel. Pas d'observation ? Renvoyé à la Commission des finances et des affaires générales. L'ordre du jour appelle la prise en considération de la proposition de résolution de Mme De Batz et M. Wetzmann visant à l'engagement du gouvernement bruxellois en faveur du développement d'initiatives politiques dans le domaine de l'intelligence artificielle. Pas d'observation. Renvoyé à la Commission des affaires économiques et de l'emploi. L'ordre du jour appelle la prise en considération de la proposition de résolution de Mme Lefranc visant à intégrer l'anticipation de la mise en œuvre de la stratégie de rénovation dans le plan de relance économique de la région de Bruxelles-Capitale. Pas d'observation, renvoyé à la Commission des affaires économiques. L'ordre du jour appelle la prise en considération de la proposition d'ordonnance de M. Haïdar, Mme Emery, Mme Housson, Mme Potier, Mme De Jong, Mme Nagy, Mme Frémaux, Mme De Batz, accordant une dispense exceptionnelle de permis d'urbanisme et de permis d'environnement au SPF Justice pour l'utilisation temporaire de l'ancien siège de l'OTAN à des fins juridictionnelles. Pas d'observation ? Monsieur le Président ? Oui. Oui, je voulais préciser que je souhaitais la co-signer. Également, puisque M. Haïdar... Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de... M. Haïdar. Oui, justement, j'avais demandé la parole, mais elle l'a faite. Et c'est aussi oui pour le NVA aussi. On l'a envoyé au PTB, mais on attendait une réponse de leur part. Mais, je vous remercie, M. Haïdar. Donc, le texte est soumis à co-signature à tout le monde, et ceux qui veulent co-signer sont priés de se faire connaître auprès des services. Je vous remercie. On a fait, Monsieur le Président, pour nous, c'est Mathias van Vorons, c'est Mathias van den Borg. OK, Mathias van den Borg, de MVA. Et pour le MR, ce sera vous ? OK. Madame Bertrand, pour le MR. C'est renvoyé à la Commission du développement territorial. L'ordre du jour de la discussion générale du projet appelle la discussion générale du projet d'ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid. C'est le document A275-1 et 2. La discussion générale est ouverte. La parole est à Madame Eliousfi pour son rapport. Merci, Monsieur le Président. On m'entend bien ? Parfaitement. Ça va, merci. Voilà, Monsieur le Président. Chers collègues, le ministre-président a présenté devant les commissaires le contexte actuel de crise engendré par la deuxième vague du Covid-19 qui légitime la prise de mesures rapides d'un point de vue législatif et réglementaire dans le cadre strict de la gestion de la pandémie. L'avis du Conseil d'État continuera d'être sollicité au même titre que l'avis de l'inspection des finances et de l'accord du ministre du Budget. Les pouvoirs spéciaux sont sollicités pour un délai de 2 mois et la faculté de prolongement de ces pouvoirs spéciaux n'est pas prévue par ces deux projet d'ordonnance. Si la situation nécessite une prolongation, le gouvernement reviendra devant le Parlement. Durant la discussion générale, le MR s'interroge sur le retard pris par le gouvernement pour demander les pouvoirs spéciaux. Il souligne également que les remarques du Conseil d'État concernant le champ d'application des pouvoirs spéciaux n'ont pas été intégrées. Cependant, le groupe MR soutiendra la demande des pouvoirs spéciaux. La NVA doute de la pertinence des pouvoirs spéciaux vu que le Parlement est actuellement occupé à travailler sur le budget et que les amendements peuvent être apportés pour répondre à la crise actuelle. Le groupe NVA ne soutiendra donc pas le projet des pouvoirs spéciaux. Le groupe socialiste estime que la situation actuelle légitime la mise en place des pouvoirs spéciaux en soulignant l'importance de l'exercice du contrôle nécessaire à notre démocratie.
Le groupe PTB doute que la solution se trouve dans les pouvoirs spéciaux, vu que le Parlement est à même de se réunir et prendre rapidement des décisions. Le groupe PTB estime qu'il est disproportionné de demander une seconde fois les pouvoirs spéciaux. Le groupe écolo souligne quant à lui la gravité de la situation sanitaire actuelle et les pouvoirs spéciaux répondent à l'urgence. De plus, selon les écolos, les balises sont correctement posées dans le texte, tout en affirmant que le travail parlementaire continue parallèlement. Le groupe écolo soutiendra par conséquent les pouvoirs spéciaux. Pour l'Open VLD, juge et soutient que les pouvoirs spéciaux sont nécessaires pour faire face à la crise sanitaire. Concernant le groupe Défi, la crise sanitaire n'est pas terminée et les pouvoirs spéciaux sont pertinents pour répondre aux difficultés de la région. Le CDH soutiendra les pouvoirs spéciaux, mais qu'il est important de trouver des solutions structurelles pour l'avenir. Pour le groupe SPA, l'énumération des exemples concrets faits par le groupe Défi prouve la nécessité de la mise en place des pouvoirs spéciaux. C'est la raison pour laquelle le groupe SPA soutiendra les deux projets d'ordonnance. Le groupe Agora, lui, juge que la situation ne requiert pas les pouvoirs spéciaux et que le Parlement doit jouer un rôle central dans le maintien de la démocratie. Le vice-président répond aux différentes interrogations et réaffirme, tout en assurant que les pouvoirs spéciaux seront encadrés, l'urgence de la situation et l'importance de réagir rapidement. En ce qui concerne les votes, l'article 1er est adopté à l'unanimité des 15 membres, l'article 2 est adopté par 10 voix contre 3 et 2 abstentions, les articles 3 et 5 ne suscitent aucun commentaire et sont adoptés par 12 voix contre 3. L'ensemble du projet d'ordonnance est adopté par 12 voix contre 3. Merci pour votre attention. Merci, Madame Eliousfi. Merci pour cet excellent rapport. Je cède à présent la parole selon l'ordre habituel pour faire plus simple. Madame Bertrand, vous avez la parole pour le groupe MR. Merci. Oui, juste avant. Oui, Monsieur le Ministre-Président. Non, on fait les deux textes. Je propose que la discussion que nous ayons, c'est exactement la même que nous avons eue en commission, c'est-à-dire que c'est une discussion conjointe et on est d'accord qu'on fait une seule discussion pour à la fois la RCC et le PRB. Merci, Monsieur le Ministre-Président, j'aurais dû le préciser. Merci, Monsieur le Président. Merci à Madame Eliousfi pour son rapport. Voilà, je ne vais pas refaire l'ensemble du débat, mais je vais peut-être revenir sur quelques points important de la discussion que nous avons eue lundi. Alors, tout d'abord, nous avons rappelé au même titre que les autres groupes ici que les pouvoirs spéciaux, ça reste une mesure exceptionnelle qui est une dérogation au fonctionnement démocratique habituel puisque le Parlement est mis hors jeu pendant un certain temps et que le gouvernement peut agir plus rapidement. À ce titre-là, nous attendons toujours ici, au Parlement de la région de Bruxelles-Capitale, de pouvoir confirmer les premiers arrêtés spéciaux. Ce processus a été entamé dans d'autres parlements du pays, et je vois qu'à l'agenda de la semaine prochaine, nous allons commencer à confirmer les premiers arrêtés spéciaux. Le Parlement est aujourd'hui à même de se réunir, grâce à vous, Monsieur le Président, grâce aux services informatiques, et nous l'avons démontré ces dernières semaines, nous pouvons nous réunir dans des conditions excellentes, à distance, voter à distance et réagir extrêmement rapidement. Je pense que cela, il fallait tout de même le rappeler dans le projet d'ordonnance de pouvoirs spéciaux, parce que nous ne sommes pas exactement dans la même situation que celle qui était la nôtre au mois de mars, où tout le monde a dû trouver des solutions extrêmement rapides et où les systèmes informatiques du Parlement n'étaient pas prêts à réagir à une situation d'une telle ampleur. Malgré cela, notre groupe reconnaît le besoin de pouvoirs spéciaux et je l'ai dit au ministre-président. Pourquoi? Essentiellement parce qu'il y a une nécessité d'agir rapidement et que, comme nous l'avons répété à plusieurs reprises, Bruxelles a toujours eu un temps de retard dans la réaction et a été à la traîne. C'est pour ça que j'ai souligné également le temps de retard qu'il y a eu dans la prise de la demande des pouvoirs spéciaux, qui est venue fort tard, puisque cela fait quand même depuis la mi-septembre que nous savons que nous sommes dans une deuxième vague et que la demande de pouvoirs spéciaux n'est venue que la semaine dernière, alors que d'autres parlements qui les ont votés les ont déjà votés la semaine passée. Mais notre plus grand regret se trouve, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre-Président, au niveau du champ d'application des pouvoirs spéciaux. C'était une remarque qui a été faite par le Conseil d'État. Quand on déroge à des règles aussi importantes, il y a un devoir d'être extrêmement précis dans le scope, dans le dispositif de ces pouvoirs spéciaux. Et vous m'avez répondu, Monsieur le Ministre-Président,
que vous ne saviez pas exactement et que vous ne pouviez pas nous dire pourquoi ces pouvoirs spéciaux allaient être pris. Alors ensuite, vous nous avez donné quelques exemples qui ont été repris au compte-rendu, effectivement, en matière d'urbanisme et de continuité de la fonction publique. Mais c'est vrai que quand je regarde, par exemple, le dispositif des pouvoirs spéciaux en Fédération Wallonie-Bruxelles, vous verrez que c'est extrêmement concret, extrêmement pratique, ça concerne des bâtiments, ça concerne des reports, ça concerne des mesures très précises pour la fonction publique et le dispositif les reprend explicitement. Vincent De Wolf y reviendra tout à l'heure au moment du vote, Monsieur le Président, donc si vous pourrez lui donner la parole pour justifier une abstention au sein de notre groupe. Il reviendra sur ce qui s'est passé lors des premiers pouvoirs spéciaux et ce que nous ne souhaitons plus voir lors de ces pouvoirs spéciaux-ci et qui justifie une abstention au sein de notre groupe. En tout état de cause, ce que nous avons demandé, et d'autres groupes également, c'est qu'il y ait une transparence complète sur les pouvoirs spéciaux et que vous nous envoyez le plus rapidement possible. Et je remercie Monsieur le Ministre-Président pour sa réponse, qui nous a dit qu'on recevrait, comme ça a été fait d'ailleurs au moment des premiers pouvoirs spéciaux, suite à la première lecture, et ça c'est vrai que c'est apprécié, les arrêtés du gouvernement. Voilà, je pense que c'est tout ce que nous voulions dire. Les points essentiels pour nous, le groupe MR, c'est effectivement que nous le soutiendrons, nous serons constructifs pour la bonne et simple raison que nous souhaitons voir la région bruxelloise aller plus vite et réagir rapidement, que ce soit dans le domaine sanitaire, que ce soit dans le domaine social, que ce soit dans le domaine économique. Mais nous aurions préféré voir un champ d'application plus précis et nous aurions effectivement probablement préféré que ceci aille plus vite. Et je pense que la voie de la proposition d'ordonnance, Monsieur le Ministre-Président, qui aurait été soutenue par toute une série des groupes de ce Parlement, majorité comme opposition, vous aurait permis de gagner du temps. Je vous remercie. Merci Madame Bertrand, qui est venue de... Oui, c'est le groupe, ja, het is nu de beurt aan N-VA. Mevrouw Van Achter. Dank u wel, meneer de voorzitter. Tijdens de eerste golf heeft mijn fractie zonder problemen de vorige volmachtenordonnantie goedgekeurd. Op dat ogenblik was het een onzekere situatie. We kenden het virus nog niet, we wisten niet wat er op ons afkomt, we wisten niet of het parlement nog zou kunnen samenkomen. Er was een heel onzekere situatie. En toen stonden wij er zeker achter dat de regering snel en correct zou moeten kunnen reageren. Vandaag staan wij nog altijd achter het idee dat de regering snel en correct moet kunnen reageren en alle maatregelen nemen die nodig zijn om deze crisis aan te pakken en antwoorden te bieden en de burgers te ondersteunen en de ondernemingen te ondersteunen en alles te doen wat in hun macht zit. Maar moeten we daarom het parlement buitenspel zetten, daar zijn wij niet van overtuigd. Het parlement heeft zich ondertussen georganiseerd. Wij kunnen op afstand kort op de bal spelen. Wij stemmen op afstand. Wij kunnen als parlement kort op de bal antwoorden formuleren. In de eerste golf zijn er ook al een heel aantal maatregelen getroffen. Dus ook de onzekere situatie. We zitten niet in dezelfde situatie dan tijdens de eerste golf. Er zijn al maatregelen getroffen. We weten wat het is, wat het er gevraagd is. We zitten dus niet meer in dezelfde situatie. Waarom wil de regering dan dat wij nu hen die bijzondere machten toekennen? Het zal ongetwijfeld makkelijk zijn om zelf zonder pottenkijkers snel te kunnen beslissen. Dat is inderdaad zo. Dat is makkelijk als je alle machten hebt en dat je het zelf snel kan doen. Dat kan ik begrijpen. Maar je zou natuurlijk nog altijd moeten adviezen vragen. De Raad van State en de inspectie van Financiën, die moeten uiteraard nog altijd adviezen geven. Dus makkelijk en zonder pottenkijkers, ja. Maar moet je daarom de democratie buitenspel zetten, omdat het makkelijk is? Dat lijkt mij toch een beetje te verregaand. Dat lijkt mij niet echt een correcte beweegreden of een correcte motivatie.
En dus ben ik ook heel erg teleurgesteld in het debat dat we vorige maandag gehad hebben. Want als ik zo... dit is iets heel uitzonderlijk. Volmacht te geven, uw eigen parlement buitenspel zetten, uw eigen democratie buitenspel zetten, dan had je op zijn minst toch verwacht dat ik een juiste motivatie had gehoord waarom dit ook echt nodig is en makkelijk, dat is volgens mij, of makkelijk, is niet echt een juiste motivatie. En ik heb die motivatie vorige maandag niet gehoord. En ik heb twee concrete vragen gesteld. Als ik het goed begrepen heb, stoort het de regering dat ze adviezen moeten aanvragen die te lang duren en die maakt dat ze niet snel kunnen reageren. Ik heb gevraagd welke adviesraden zijn te traag. Ik heb daar geen antwoord op gekregen. Als je echt niet weet wat je wilt doen de komende dagen, het kan toch niet moeilijk zijn om op die vraag te antwoorden, want u wilt snel reageren en daarom wilt u dat. En dan denk ik, als je voorstellen van ordonnantie indient, dat is mijn tweede punt dat ik gemaakt heb maandag, als je voorstellen van ordonnantie indient, dan kan je advies aanvragen op een correcte en legale manier omzeilen. We doen dat hier constant in het parlement. Als iets snel moet gaan, wordt het ingediend door de regering via een voorstel. Dan wordt dus het parlement die het zelf in handen neemt, de regering maakt de tekst en uiteindelijk is de meerderheid die het indient. Dus lijkt het mij net goed dat het parlement verder werkt en dat je via het parlement kan werken. Het lijkt me zelf goed, je moet zelf niet naar de Raad van State gaan en zo verder voor die voorstellen van ordonnantie. U kan heel snel het parlement inschakelen als u kort op de bal wil spelen. En die twee vragen heb ik gesteld. Ik heb daar geen antwoord op gekregen. Dus ja, u wilt snel, u wilt makkelijk, zonder te veel advies moeten vragen. Maar sorry, dit is niet een afdoende motivatie om ons parlement buitenspel te zetten. En dan heb ik nog twee opmerkingen op het voorstel zelf. De Raad van State zegt in haar leer doorheen de jaren, en wat dat je ook terugvindt in de boeken en wat dat ze nu heeft herhaald, dat de opdracht die aan de regering wordt gegeven, dat die heel correct en precies moet zijn. Dat is niet het geval met wat er hier voor ligt. Er staat onder meer, dat is dit en nog alles anders. Onder meer is niet precies. Uw opdracht is niet precies. We zitten in een tweede golf, misschien die al aan het voorbijgaan is. Laat ons hopen. Dus vandaag moet u toch wel weten wat dat u wilt doen. Of gaat u nu mij echt zeggen dat u vandaag totaal geen idee heeft over wat dat u wilt doen met die volmachten besluiten. Ten tweede, bijzondere machten, besluiten, kunnen niet toegekend worden in fiscale aangelegenheden. Ik heb dat ook aangehaald tijdens de eerste keer dat we dit gestemd hebben. U heeft dat wel gedaan. Want fiscale aangelegenheden, dat is niet alleen nieuwe belastingen treffen, dat is ook vrijstellingen geven voor belastingen te betalen. Ik kan u de kopieën geven van de wetboeken, van de boeken die heel duidelijk hierover gaan. Fiscale aangelegenheden zijn voorbehouden aan de wetgever. Dus een vrijstelling om belastingen te betalen is voorbehouden aan de wetgever. Dus er is een probleem met wat u in de eerste golf gedaan heeft. Er is een probleem. En als u dat opnieuw gaat doen, ik zeg het u op voorhand, er is daar een probleem mee. Dus, meneer de minister President, ik was heel teleurgesteld vorige maandag dat zelf het debat waarop dat wij ons eigen parlement buitenspel zouden moeten zetten zo miniem was en dat wij dan maar vlug, omdat u snel wilt kunnen reageren zonder te veel pottenkijkers, u die volmachten moeten geven. Dat is niet de manier waarop ik mijn werk wil doen. De regering moet snel kunnen reageren. Het parlement kan dat ook. Mij lijkt het logisch dat we samenwerken. Dat we transparant en correct samenwerken om alle maatregelen te nemen die nodig zijn om deze crisis aan te pakken. Bedankt. Dank u, mevrouw Van Echter. Je cède à présent la parole à monsieur Geysels pour le groupe socialiste. Je vous remercie, monsieur le président, mais je viens d'écouter avec attention mes différents collègues. Je pense que nous serons tous d'accord pour dire que la situation aujourd'hui est encore extrêmement grave et préoccupante et qu'il faut donc pouvoir se donner les moyens de réagir rapidement. Le gouvernement bruxellois, contrairement à ce qu'on a entendu,
a pris des mesures en urgence, des mesures efficaces, et il demande simplement aujourd'hui de déroger encore à la règle, de manière totalement exceptionnelle, d'une délégation des pouvoirs du Parlement vers le gouvernement. Alors c'est vrai que pour n'importe quel parlementaire, se dessaisir de son pouvoir de contrôle d'un gouvernement fait toujours extrêmement mal, mais je pense que dans ce cas-ci, comme on dit, nécessité fait loi. Nous avons en face de nous, à côté de nous, un gouvernement qui respecte les institutions parlementaires, qui ne manque pas de transparence et de communiquer, et ça a été rappelé même par Madame Bertrand, qui communique même en première lecture les arrêtés qui vont être pris dans le cadre des pouvoirs spéciaux. Donc nous avons toutes les garanties démocratiques. Alors j'entends évidemment Madame Bertrand qui dit « Oui, mais aujourd'hui, on a les moyens technologiques de se réunir. » Restons sérieux. Aujourd'hui, quand il y a des réunions avec les autres entités fédérées de ce pays, il faut quelquefois prendre des décisions dans le jour même. Qui peut croire aujourd'hui, même avec les moyens technologiques qu'on a, qu'on réunit un Parlement comme ça en urgence et qu'on arrive à prendre très rapidement des arrêtés avec des débats comme nous en avons régulièrement assez longs au sein de cette Assemblée. Et c'est tout à fait légitime qu'une Assemblée comme la nôtre prenne le temps de débattre des sujets importants. Donc pour mon groupe, avec la confiance qu'on a vis-à-vis du gouvernement bruxellois, avec les informations qui nous viennent quotidiennement du terrain ou des membres de la commission COVID-19, la situation est grave et justifie la délégation de ces pouvoirs spéciaux au gouvernement bruxellois. Je regrette juste que certains groupes changent d'avis, c'est le cas du MR qui fait, pas la première fois, qui fait un peu girouette comme ça dans les décisions et dans les positions que ce groupe prend, qui ne soit pas comme tout le monde. Que la NVA ne soit pas derrière le gouvernement bruxellois, ça, on en a l'habitude, mais que devant la situation que vivent nos concitoyens, que ce soit sur le plan santé, social ou économique, que tout le monde ne soit pas derrière ce gouvernement et que le MR ait changé de décision par rapport au débat que nous avions en commission. Et donc, c'est évidemment, vous l'aurez compris, sans aucune difficulté, que le groupe socialiste votera en faveur de ce projet d'ordonnance. Je vous remercie. Monsieur le Président, merci. Puisque le groupe MR est interpellé, je voudrais réagir. Le groupe MR n'a pas changé d'avis puisque nous avons dit, et je l'ai dit lundi en commission, que nous étions constructifs et que nous le soutenions. Cela n'a pas changé. Il y aura, comme cela se fait régulièrement dans ce Parlement, une abstention au sein de notre groupe. Donc ce n'est pas le groupe, M. Guessel, qui s'abstient dans son entièreté, c'est une abstention. Pour expliquer les motifs que j'ai déjà expliqués lundi et que Vincent De Wolf réexpliquera cet après-midi. Je vous remercie. Et en matière de girouette, nous n'avons pas de leçons à recevoir. Mais, Monsieur le Président... Vous en prie, Monsieur le Président, juste pour réagir, je pense alors que l'interview de Madame Bertrand doit peut-être être corrigée dans la presse. Mais bon, est-ce que c'est le journaliste qui a mal entendu, ou c'est Madame Bertrand qui, entre son article et maintenant, a changé d'avis? Ça, nous ne le saurons sans doute pas. Il n'y a eu aucun changement d'avis, et effectivement, je n'ai pas fait attention à cela parce que je n'ai pas eu l'occasion de dire ça attentivement, mais s'il y a une erreur dans la presse, je le signalerai, et ça doit être corrigé. Il n'y a jamais eu question de faire autrement que d'avoir une abstention au sein de notre groupe, puisque nous avons les deux membres effectifs de la commission en PRB et les deux membres effectifs en COCOM votaient en faveur lundi en commission, comme vous l'aurez remarqué. Bien. Juste rajouter, Monsieur le Président, je vous en prie. Ce qui compte, c'est le compte-rendu parlementaire. Ce qui est écrit dans la presse, vous savez, les journalistes sont libres d'écrire ce qu'ils veulent. Ça, ce qui compte, c'est le compte-rendu parlementaire. Et puis après, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, si quelqu'un a changé d'avis, il est libre de le faire. Le tout, c'est d'avoir une certaine cohérence, effectivement. Mais bon, tenons-en au compte-rendu du... Merci aux uns et aux autres. Alors, wij geven nu het woord aan de heer Verstraten voor de Groen-fractie. Meneer Verstraten, ben jij met ons? Of mevrouw Oussen? Niemand van Groen. Mevrouw Hoessen die gaat tussen. Of meneer Benfomeer die gaat tussen. Voilà, on vous entend, monsieur Verstraten. Si vous voulez intervenir ou pas, je ne sais pas. Hein. Vous n'êtes pas obligé non plus. Nee, dank, meneer de voorzitter. Ik ga niet tussen komen. Ok. Alors, je cède à présent la parole à
Madame De Smet pour le groupe PTB. Merci, Monsieur le Président. Là, on en a déjà discuté en commission lundi, mais donc, pour faire face à l'épidémie, nous ne pensons pas qu'il est nécessaire de restreindre la démocratie et le fonctionnement du Parlement. Donc, au printemps, il y avait encore l'argument de la rapidité, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, on parle de la seconde vague déjà depuis des mois, et le gouvernement avait le temps de s'y préparer. Et grâce aux services également, et je tiens vraiment encore à les remercier pour tout le travail qu'ils ont fourni, le Parlement est effectivement capable de se rassembler et décider assez rapidement. D'autre part, ni le gouvernement fédéral ni le gouvernement flamand n'ont jugé utile non plus de demander les pouvoirs spéciaux. Donc la crise sanitaire est évidemment complexe et nécessite des débats sur la manière dont on va gérer une telle crise. Et c'est la raison pour laquelle le débat est plus que jamais aussi indispensable. Donc c'est pourquoi il faut développer la démocratie et pas la restreindre. Alors on estime avec le PTB que pour faire face à ce défi inédit, le gouvernement a justement besoin de faire appel à l'intelligence et l'expérience collective, et ça passe aussi notamment par les parlementaires. Alors la crise sanitaire pose de grands défis sanitaires, économiques, sociaux et aussi démocratiques. Alors est-ce que c'est vraiment le moment, est-ce que c'est vraiment un bon signal en ces temps de crise de limiter le fonctionnement du Parlement? Nous ne le pensons pas. Un problème majeur dans la gestion de la crise, c'est une perte notamment d'adhésion du public. Et sans adhésion, on n'a pas d'efficacité et on ne voit vraiment pas en quoi les pouvoirs spéciaux vont régler ce problème. Alors la deuxième vague de l'épidémie, je l'ai déjà dit, n'est pas une surprise. Plusieurs parlementaires de l'opposition ont interpellé plusieurs fois le gouvernement sur les failles dans leur politique sanitaire, notamment au niveau du testing. Et de ce point de vue-là, hélas, on a eu trop peu d'écoute de la part du gouvernement. Pas du tout, Monsieur Vervoort. Il faut arrêter avec ça. L'application, la mise en pratique du testing, ça dépend de la région. Ça dépend de la région. Alors, je ne parle pas de ça, Monsieur Vervoort. Je parle notamment de l'ouverture des centres. On l'a interpellé plusieurs fois que ça tardait. Je veux dire, c'est seulement arrivé maintenant. On ne va pas refaire le débat ici. À un moment donné, c'était à Bruxelles qu'on testait le plus par habitant. Ce sont les faits qui parlent. Le plus par habitant, non, ça c'est la réalité. Ce sont les faits qui parlent. Je suis désolée. Ça commence à bien faire. Hein. Je suis désolée. Non, non, vous ne devez pas être désolée. C'est affligeant. Alors maintenant, avec les pouvoirs spéciaux, vous allez de nouveau décider avant d'écouter. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on va arriver à une politique plus efficace de cette manière? On ne le pense pas. Et on voit aujourd'hui aussi qu'on n'est pas les seuls à émettre des critiques. Donc le Conseil d'État fait aussi des critiques par rapport au texte qui est présenté ici, notamment sur le fait que le champ d'application n'est pas assez précis. Et donc, on s'opposera donc au texte qui est présenté par le gouvernement. Je vous remercie. Merci, Madame De Smet. Je regarde à l'écran. Je cède la parole à Madame De Radiguez pour le groupe Écolo. Oui. Et il nous semble que maintenant, l'urgence, c'est en effet de sortir de cette crise sanitaire. Donc on doit absolument se donner les moyens. On a tous envie de pouvoir ressortir après 22 heures. On a envie de pouvoir se réunir dans des conditions plus agréables et plus propices à la co-construction que celles qui existent aujourd'hui, bien que c'est déjà vachement bien ce que tout le Parlement a mis en place et aussi dans d'autres organisations. Donc c'est ça la priorité. Et pour ce faire, il faut pouvoir, dans certaines circonstances, réagir rapidement et agir rapidement. Et c'est pour cela que nous soutenons en fait les pouvoirs spéciaux pour une durée limitée. Donc c'est comme on disait dans le rapport, nous on pense que les balises sont mises et elles sont bien mises. Donc ici on parle de 2 mois, renouvelables une fois. Donc ça nous semble limité. Et en plus, le Parlement continue à fonctionner. Donc ce n'est pas vrai qu'il y a substitution totale. On est là, on continue et à nous de préparer toutes les conséquences de cette crise sanitaire. Parce que si on se dit qu'on doit sortir de la crise sanitaire maintenant, et c'est urgent, les conséquences, on va les vivre encore de très nombreux mois, voire années. Donc nous sommes là et nous allons travailler pour pouvoir les relever. Donc oui, le Parlement continue à travailler et nous nous y attelons. En plus, il y a la balise quand même, on ne laisse pas le gouvernement tout seul. Pendant la première vague, il y a eu de nombreuses séances d'information ici des parlementaires. Je pense qu'on a vraiment été
tenu au courant au jour le jour, dès que les arrêtés étaient pris. Et donc ça, c'est tout à fait positif. Et il reste, c'est prévu dans le texte, les balises du Conseil d'État, de l'inspection des finances et du ministre du Budget. Donc ce n'est pas des arrêtés qui seront pris sans aucune balise. Donc ça, ça nous semble aussi important. Et puis nous ferons nos travaux parlementaires et nous les entérinerons ou pas. Enfin, on en rediscutera 6 mois après la période des pouvoirs spéciaux. Donc voilà, évidemment que ça ne nous fait pas plaisir. Ça ne nous fait certainement pas plaisir d'être dans cette crise. Ça ne nous fait pas plaisir de donner les pouvoirs spéciaux parce que c'est un acte démocratique important, conséquent et grave. Et c'est la deuxième fois qu'on le fait cette année. Mais nous voulons sortir de cette crise, donner au gouvernement tous les moyens pour ce faire. Et on lui réitère notre confiance dans ce cadre. Merci. Merci Madame de Radiguez. Avant de céder la parole à Madame Carla de Jong, comme je m'y étais engagé au bureau, je voudrais juste vous donner une petite information. Je m'étais engagé à le donner en séance plénière. Alors on a réalisé avec les services le décompte au niveau de toutes les questions, interpellations, etc. qui ont été adressées au gouvernement et à la RCC par rapport à la crise sanitaire. Pour vous donner un ordre d'idée, 105 interpellations, 272 questions écrites, 24 débats d'actualité, dont 21 en commission et 3 en séance plénière, et 41 questions d'actualité. Donc ça vous donne un peu une photographie du travail parlementaire qui a été réalisé, et donc du contrôle, malgré les pouvoirs spéciaux notamment. Mevrouw de Jong, u hebt het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik denk dat mijn collega Guy van Engel in de commissie al gemotiveerd heeft waarom dat we dit voorstel gaan steunen. Er is natuurlijk een verschil van dit ontwerp voor volmachten met het vorige, want we verkeren inderdaad nu niet in de onmogelijkheid om samen te komen als parlement. Maar wat hebben we uit die eerste golf wel geleerd? Dat de regering snel en wetgevend moet kunnen handelen indien nodig en dat deze volmachten hiervoor een wettelijk kader kunnen bieden zonder de democratische controle van het parlement te ontnemen. Nu, de regering heeft het advies van de Raad van State uit de eerste golf overgenomen om steeds voorafgaand adviezen te vragen, zowel aan de Raad van State als aan de Inspectie van Financiën, de minister van Begroting. En het is dus steeds nodig om de globale budgettaire impact van de getroffen maatregelen te kennen. De minister-president heeft dat in de commissie trouwens ook aangegeven. Mijn collega heeft het in de commissie gezegd. Uit de werkzaamheden van de COVID-commissie is duidelijk gebleken dat de vraag naar een wettelijke basis voor dringende maatregelen die onverwacht moeten genomen worden tijdens de eerste golf, dat die herhaaldelijk naar voren zijn gekomen. En dat is natuurlijk waar we met deze volmachten een antwoord op moeten bieden. Ik weet dat er de kritiek is dat het parlement buitenspel wordt gezet, maar de voorzitter heeft de cijfers trouwens net geciteerd voor ik aan de beurt kwam. De eerste golf heeft aangetoond dat het parlement nog nooit zo actief is geweest en dat de verschillende ministers feitelijk nog nooit zoveel ter beschikking hebben gestaan om vragen te beantwoorden en om uitleg te geven over hun beleid. Ik zou er zelfs aan durven toevoegen dat we soms zelfs overstelpen met vragen. Nu, om een lang verhaal kort te maken, onze fractie zal dit ontwerp steunen. Dank u, mevrouw de Jong. Je cède à présent la parole à monsieur Emmanuel Debock pour le groupe Défi. Merci, monsieur le président. Je vais peut-être pas refaire l'ensemble des débats que nous avons eus en commission début de semaine, mais peut-être trois petites choses. La première, ça a été rappelé, l'approbation des arrêtés de pouvoirs spéciaux arrivera la semaine prochaine, mais je n'ai pas entendu ces 6 derniers mois de remise en cause par aucun groupe, même celui de l'opposition, des mesures que le gouvernement a prises lors de ses pouvoirs spéciaux. Et donc, je suis un petit peu étonné ici qu'on puisse prétendre que l'on peut fonctionner normalement sans les pouvoirs spéciaux. Se réunir, ça ne pose évidemment pas de problème. Mais par contre, sur les débats que nous aurions, passer des heures sur des délais de recours, trouver les bonnes mesures par rapport aux réglementations que l'on devrait modifier, je pense effectivement que ça relève plus de la responsabilité ministérielle et puis ensuite, effectivement, de ratifier ou pas ces arrêtés de pouvoirs spéciaux.
Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans nos communes. Vous avez vu qu'un certain nombre de bourgmestres ont pris des dispositions spéciales qu'ils font ratifier ensuite par leurs conseils communaux, ne fût-ce que la tenue de leur prochaine séance de conseil communal prochainement. Et je m'étonne d'ailleurs du coup de l'abstention qui est annoncée dans le groupe MR, puisqu'elle vient d'un bourgmestre qui par ailleurs utilise les pouvoirs spéciaux dans sa propre commune. Et qui fait ratifier par son conseil communal a posteriori ses décisions. Donc je trouve que par cohérence, si on s'abstient ou on ne les vote pas ici au Parlement, à tout le moins on ne les utilise pas dans sa propre commune. J'aimerais un peu de cohérence de ce côté-là, du côté du MR. Je voudrais peut-être revenir sur l'exemple que j'avais donné en commission sur l'utilité des pouvoirs spéciaux. Et c'est peut-être plus à l'attention du groupe PTB, parce que là aussi je ne comprends pas, ce n'est pas une abstention, là c'est un refus. Pourquoi est-ce que le groupe PTB ne soutient pas cette proposition ? Lorsqu'on a un locataire, par exemple, qui est mis en demeure de quitter son logement parce que le propriétaire veut y faire des travaux ou veut occuper personnellement son logement, le propriétaire le met en demeure pendant 6 mois, effectivement, et après 6 mois, la personne doit partir. Ces 6 mois sont destinés à ce que le locataire puisse trouver un autre logement et puisse se reloger. Ça, c'est ce que prévoit notre code du logement que nous avons tous ici voté. Puisque les mesures de visite sont suspendus pendant 2 mois. Comment voulez-vous qu'un locataire puisse fondamentalement trouver dans les mêmes conditions un logement en bonne et due forme, à un prix abordable, et puisse s'engager auprès d'un autre propriétaire ? Si on ne prend pas une mesure de prolongation du délai, il aura de facto un tiers du temps en moins que ce que la législation lui permettait. Donc, qu'est-ce qu'on a fait lors de la première vague ? Le gouvernement a prolongé ce délai de 2 mois pour permettre en fait en réalité que tout le monde puisse bénéficier d'une sécurité juridique et pas effectivement des droits au rabais à cause de la pandémie. Et je trouve que l'utilité des pouvoirs spéciaux, c'est ça. Alors après ça, est-ce qu'il en faut 2 mois ? Est-ce qu'il faut 3 mois ? Est-ce qu'il faut 6 mois ? On peut avoir des débats sur la durée, effectivement. Est-ce que vous considérez que ce n'est pas 2 mois qu'il fallait donner, mais plutôt 1 mois ? Je pense que ces débats-là ne doivent pas s'inscrire dans un momentum immédiat, et doivent au contraire être approuvés ou désapprouvés a posteriori, une fois effectivement que l'ensemble des mesures ont été portées par le gouvernement. Ça impose évidemment la responsabilité du gouvernement de devoir répondre effectivement d'un certain nombre des arrêtés et de réglementations qu'il a prises pendant cette période. Mais sincèrement, ces arrêtés de pouvoirs spéciaux sont pris pour défendre les plus faibles d'entre nous, celles et ceux pour qui effectivement le fait de ne pas prendre un certain nombre d'arrêtés vont les mettre en difficulté. J'ai dit, je vous remercie. Merci, Monsieur De Bock. Monsieur le Président, je voudrais juste réagir à ce que Monsieur De Bock vient de dire, parce qu'on a été interpellé. Non, je ne vous ai pas interpellé, je vous ai juste répondu. Oui, mais je ne vous suis pas, Monsieur De Bock, parce que donc, le moratoire sur les expulsions avait été arrêté, j'ai puis pas a parlé été remis moratoire. En place. Je n'ai pas parlé du moratoire, vous confondez le moratoire avec la prolongation du délai. C'est juste un échange d'idées, quoi. Il donne arguments. Non, mais c'est une question que je pose vraiment, parce que le moratoire a été remis en place en dehors des pouvoirs spéciaux, donc je ne vois pas l'intérêt. Je vous ai parlé de la prolongation des délais et de la sécurité juridique que cela impliquait. C'est valable pour le COBAT, comme c'est valable pour, par exemple, le Code du logement. Il y a Monsieur le Ministre-Président qui souhaite... Pour ce qui est du moratoire, effectivement, j'ai pris l'arrêté sur base ordre public, parce qu'il y avait une urgence vraiment importante, mais l'intention, c'est de le faire au travers de pouvoirs spéciaux qui, juridiquement, est beaucoup plus solide que le fait de le prendre par un arrêté. Voilà, j'explique en quoi, dans des situations dans lesquelles on se trouve concrètement... Et donc, et on sait que là, le chemin est assez étroit. J'ai pris sur moi de prendre cette décision-là sur base de mes compétences sécuritaires et de République. Mais je sais que c'est un peu ric-rac. Et donc, on va confirmer ça avec les pouvoirs spéciaux. Voilà, on vit ça au quotidien. Alors, j'aime bien, vous savez, ici, que certains puissent finalement nous faire la leçon en disant le Conseil d'État ci, le Conseil d'État pas ça. C'est assez amusant, d'ailleurs, d'un point de vue intellectuel, parce qu'à la fois, on me dit que vous auriez pu passer par une proposition d'ordonnance, et donc, de facto, on ne serait pas allé au Conseil d'État, et en même temps, on se prévaloir de l'avis du Conseil d'État pour dire que vous auriez dû faire comme ça. Hein? Mais bon, soit c'est les limites, je dirais, de la cohérence intellectuelle, mais ça, chacun est libre. Hein? Alors, nous, j'ai fait Graktour, dans le meneer Haïdar. Merci, meneer de voorzitter, meneer de minister-president, beste collègues. Iedereen heeft al gezegd, we hebben een goede debat gehad maandag. Dat was zeer interessant en ik ben zeer blij. Je voudrais vous remercier, monsieur le Président, d'avoir cité les chiffres que vous avez dit tout à l'heure, parce que c'est quand même important de le dire, que ce n'est pas parce qu'on a des pouvoirs spéciaux que le Parlement s'est arrêté. Au contraire,
Je suis moi-même stupéfait par les chiffres que vous avez cités. C'est des centaines et des centaines d'interpellations, de questions et de débats qui ont été organisés pour contrôler justement le gouvernement et avoir les questions, avoir réponse aux questions que les parlementaires se posent. Maar je weet het, meneer de president, meneer de voorzitter, is gewoon iedereen zijn mening. Maar we zeggen vaak eigenlijk meten is weten, dat betekent we zullen zien nadien, want we moeten sneller procederen en we zullen zien wat gaat het geven. Meten is weten, ik zeg dat nog weer, we zullen zien binnen een paar maanden was het eigenlijk nodig om dit te doen of niet. Misschien is het interessant te weten wanneer hebben we die nodig. Ik weet het wel dat sommige collega's hebben de vraag gesteld om te zien in welke, wanneer hebben we dat gebruikt en voor welke reden is dat nodig om eigenlijk direct een beslissing te nemen of de dag nadien. En meneer Max Jean heeft een paar voorbeelden gegeven en dat is wel interessant om misschien die te citeren. De bevolking is moe en leidt van deze situatie. Het gaat, zoals mevrouw de Radigas heeft gezegd, dat gaat over 2 maanden en die kunnen verlengd worden. Donc, dus waar is de risico? Donc, je pars du principe, monsieur le président, que c'est pour aller plus vite et que c'est dans l'intérêt de nos concitoyens. La mesure est limitée pour une période de 2 mois. Elle sera peut-être prolongée. J'espère que non. On espère tous sortir de cette pandémie. On est tous fatigués. Nous, peut-être un peu moins que beaucoup de Bruxellois qui souffrent vraiment de cette pandémie parce que la pauvreté se rajoute en plus. Et Dieu merci qu'avec les pouvoirs spéciaux, le gouvernement a pu prendre des mesures supplémentaires en urgence pour pouvoir soutenir un maximum de nos concitoyens bruxellois. Je voudrais dire aussi par rapport au système informatique, oui, un système informatique très performant. Et on remercie les services et vous, Monsieur le Président, par rapport au travail qui a été fait. Mais c'est vrai que dans l'urgence, et Monsieur Marjan, j'arrive pas à... Gaëssé, non, Gaëssé, je sais, mais c'est Marjan qui me pose problème. Jean-Marc, pour moi, mais bon. C'est Marjan, pour dire simplement, effectivement, qu'il a dit une phrase, il a dit « nécessité fait loi ». Je trouve ça très bien dit, qu'il y a une nécessité, il y a une urgence, les Bruxellois ont besoin d'une réponse rapide, et le gouvernement est prêt à répondre rapidement, et parfois on n'a pas le temps de palavrer dans les débats qui sont tirés en longueur, alors que nous pouvons apporter des solutions immédiates. C'est pour ça qu'en Bruxelles SPA donne toute sa confiance au gouvernement, et notamment au ministre-président. Merci, meneer Haïdar. Je cède à présent la parole à Madame Céline Frémaux pour le groupe CDH. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre-président, Mesdames, Messieurs. Je ne sais pas si les ministres sont là, mais en tout cas, je vois les chefs de groupe et les collègues. À écouter les débats depuis maintenant certainement une bonne demi-heure sur les dispositions qui nous sont soumises aujourd'hui, je me rappelle et j'ai envie de renvoyer au cadre de la ligne politique que le CDH a définie en juillet 2019 lorsque j'ai pris la parole pour la première fois en tant que chef de groupe d'une opposition qui s'est dite et je pense s'est confirmée extrêmement constructive. Nous avons soutenu des textes, nous nous sommes distanciés de certains textes. Mais certainement aussi, nous n'avons pas voulu être une ballerine, nous n'avons pas les compétences d'être une ballerine qualifiée entre ce qui peut se dire d'une part et ce qui peut se faire d'autre part. Et donc, il y a 8 mois, j'ai dit et je l'ai rappelé lundi dernier, je suis intervenue au sein de cette enceinte dans le cadre de l'adoption des premières ordonnances aux pouvoirs spéciaux. J'ai souligné, je n'étais pas la seule, que la situation était inédite, inconnue et qu'elle nécessitait une union sacrée et certainement de la solidarité. Je pense, et je pense qu'il faut pouvoir le répéter aussi, l'ensemble des parlementaires ont posé, avec l'adoption des pouvoirs spéciaux, un geste exceptionnel dans leur vie d'élu. Aujourd'hui, par rapport à la situation du mois de mars, on est dans une situation aussi dramatique d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue certainement aussi économique et social. La pression dans les hôpitaux demeure au niveau des unités de soins intensifs, à Bruxelles et ailleurs, les maisons de repos et leurs résidents restent fragilisés, et que dire de l'ensemble de nos commerces et indépendants. Beaucoup de nos concitoyens, surtout, et ça a été relayé notamment parfois d'Aïda, sont sortis affaiblis physiquement, moralement et économiquement la première vague et n'auront pas de capacité à résister à celle-ci. La situation est certainement un peu moins inédite, elle n'est plus totalement inconnue, mais elle reste exceptionnelle. Et donc le geste qui est demandé d'être posé aujourd'hui, il ne peut certainement pas être banalisé. J'ai expliqué à Rudy Verwoerd que j'aurais aimé être saisi un peu plus officiellement de cette demande de pouvoirs spéciaux que par l'agenda des séances la semaine dernière, parce qu'il faut toujours mesurer la confiance qui est demandée en adoptant de telles ordonnances et le caractère exceptionnel que ces ordonnances ont revêtu.
Alors, malgré ces commentaires que j'ai formulés, une série de réserves, je l'ai dit et je le répète, nous allons soutenir collectivement au niveau du CDH l'adoption des textes de pouvoirs spéciaux. Et je pense, encore plus à l'audition des expressions des uns et des autres, que l'heure est à se serrer les coups plutôt qu'à pinailler, même si le débat démocratique est légitime, il est indispensable. Il ne faut pas banaliser ce principe, nous devons fonctionner, nous devons voter aujourd'hui. C'est clair que ça ne pourra pas se répéter éternellement. D'ailleurs, nous espérons tous, je pense, que ça ne se répète pas éternellement. J'ai appelé avec mon groupe, avec ma formation politique, dans cet hémicycle, dans d'autres hémicycles, à travailler juridiquement sur la possibilité d'une rédaction d'une ordonnance d'urgence sanitaire qui permettrait à l'avenir, lorsqu'il y a une forte prégnance d'une pandémie, d'activer toute une série d'habilitations très précises, de prolonger des délais, de mobiliser certains moyens financiers de façon exceptionnelle, de suspendre, entre guillemets, certaines procédures et d'activer des aides particulières. Je remercie le ministre-président qui a entendu cette demande, le président de l'Assemblée qui a dit qu'il pourrait se pencher sur cette question juridique et institutionnelle. Je crois que la confiance sera de nouveau une fois accordée dans cet hémicycle, en tout cas par le CDH et d'autres formations politiques, qu'il faudra puiser dans l'expérience de la première vague pour prendre des arrêtés qui sont et qui vont permettre de réduire au maximum l'impact de la crise. Je répète les trois balises qui sont les notes, de la rapidité d'abord dans la prise de décision, de la transparence aussi avec un reporting détaillé à l'ensemble des groupes politiques et de l'efficacité surtout par rapport aux mesures adoptées. Il faut que nous allions à l'essentiel de ce qui est indispensable et urgent. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Frémaux, pour cette intervention. Et bienvenue tour aan mevrouw De Baats. Dank je wel, meneer de voorzitter, meneer de minister-president. Ik deel natuurlijk de mening van de regering dat we kort op de bal moeten spelen. Dat is zo voor lokale bestuur, dat is ook zo natuurlijk voor het gewest. Maar zoals vorige sprekers voor mij al herhaaldelijk zeiden, zijn wij niet op non-actief gezet. Hè. Het feit dat we hier vandaag samen zitten, is daar denk ik een mooi bewijs van. We vergaderen digitaal, dat is mogelijk gemaakt. We kunnen zelfs digitaal stemmen, trouwens dank aan de diensten die dat heel snel mogelijk hebben gemaakt. En dus wat hier voor ligt, roept wel een paar vragen op. Ik ga het niet zo lang detailleren als de andere collega's. Ik denk dat het punt wel gemaakt is. Maar we kunnen het eigenlijk als volgt samenvatten. Dat we de nood niet echt zien om in deze crisis, in tegenstelling tot de eerste golf, die bijzondere machten toe te kennen. En dat, als we eerlijk zijn, uit de repliek van de regering, waarom dit nu per se nodig is, zijn we eigenlijk ook niet echt veel wijzer geworden. Maar niettemin ga ik dat toch namens CD&V steunen, ondanks de bemerkingen en de vele kanttekeningen en vragen, omdat ook voor ons, voor CD&V, belangrijk is dat we kort en kordaat kunnen werken. Liefst in waar mogelijk in samenspel met het parlement natuurlijk. En dus zodat we deze crisis zo snel mogelijk achter ons kunnen laten. Dank u wel. Dank u, mevrouw De Baats. Meneer Kennis. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik ga het ook kort houden. We hebben inderdaad maandag de discussie gehad in de commissie. In de essentie, waar gaat het hier over? Dat is inderdaad het even aan de kans schuiven voor die twee maanden van die voorafgaande democratische controle door het parlement. Die kan in noodsituaties. De vergelijking maandag is gemaakt met oorlogssituaties. Bijvoorbeeld. Ja, vandaag moet de regering snel kunnen reageren op de noodsituatie die vandaag inderdaad bestaat. We zitten midden in die tweede golf. We weten van de eerste golf ook dat de coronacrisis en de gevolgen op de economie, op de tewerkstelling, op de huisvesting, de polarisering tussen de rijksten en de armsten in onze samenleving nog versterkt. Dus dit is nodig. Maar is een volmacht daarvoor nodig? Zijn die bijzondere machten daarvoor nodig? Wij zijn niet overtuigd. Het is ook niet duidelijk, nog altijd voor ons niet precies waarom dat die volmachten nodig zijn. Als ook andere niveaus, het Vlaams, het federaal niveau, het niet doen, bijvoorbeeld. Le champ d'application est flou, c'est déjà dit, et c'est logique quelque part, parce que bah, la crise du coronavirus touche à tout. Donc quelque part, c'est logique, mais c'est dangereux quand même. Il y a un risque de donner des pouvoirs spéciaux sans avoir des champs d'application plus précises. Effectivement, nécessité fait loi,
Mais comme la fin ne justifie pas les moyens, on a du mal à soutenir cette proposition. Want is dit een noodgedwongen situatie voor zo'n volmachten? Die adviezen die kunnen inderdaad in grote urgentie verleend worden op een snelle manier. En zoals veel collega's hebben aangehaald, het parlement kan ook, zoals we vandaag doen, collega's volgen ons online en komen via videoconferentie. Dus we kunnen digitaal vergaderen, we kunnen snel vergaderen, we kunnen snel bijeenkomen en zelfs op afstand stemmen, zoals we straks zullen doen. Le Covid, c'est le crash test de la démocratie belge, disait Anne-Emmanuel Bourgault, et je pense que c'est vrai, on parle vraiment de la démocratie ici. Faire face à une telle crise, c'est faire des choix moraux aussi, et donc on a besoin de l'intelligence collective des citoyens et des députés. Cela nous permettrait effectivement d'avoir un débat plus large, même éventuellement de changer d'avis, pourquoi pas. C'est en soi l'idée d'un débat, d'une discussion. Et ça en fait partie. Je voulais juste apporter une précision par rapport au rapport qui a été fait. Nous pensons effectivement que dans la démocratie parlementaire qu'on a aujourd'hui est indispensable, mais on ne pense pas que c'est suffisant. On pense qu'il faut y ajouter un élément de débat public, de discussion citoyenne. Mais en défaut de ça, nous ne pensons pas qu'on peut soutenir ces pouvoirs spéciaux aujourd'hui. Donc, ma thèse précise ici. Kunnen we deze volmachten niet steunen vandaag, omdat het te veel de publieke debatten over die morele keuzes opzij schuift. Ik dank u. Dank u, meneer Kennis. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de... Ja, vous voulez ajouter quelque chose? Dank u wel, meneer voorzitter, dat ik toch nog even het woord krijg. Het is een debat, dus het lijkt mij logisch dat ik... aandachtig geluisterd heb naar de collega's. En ik zou toch ook nog eventjes willen repliceren. Ja, inderdaad, het parlement stelt vragen. Dat is onze taak, controleren. Maar onze tweede taak is wetgevend. Ja. En het debat voeren in transparantie rond waarom welke keuzes worden gemaakt. Meneer De Bok zegt over de huur, de mensen die op straat komen en die vandaag niet de kans hebben om huizen te bezoeken, dankzij federaal, hè, dankzij een federale maatregel. Jawel. Nee, want immobiliën... C'est le code du logement, article 231. We mogen niet... Sorry, allez voir le code du logement. Laat mij nu toch eens uitspreken en dan kan u repliceren als u mijn uitleg hebt gehoord. Ik heb naar u geluisterd. Luistert u nu eerst naar mij, dan kan u verstaan wat ik bedoel. Federaal heeft gezegd dat je geen huizen mag gaan bezoeken vandaag met immobiliënkantoren. Dat is opgenomen in het ministerieel besluit van minister Verlinden. Oké? Nee. Luister eventjes. Minister Verlinden heeft een ministerieel besluit genomen waarin staat dat je niet huizen mag gaan bezoeken. Oké? Dat heeft een enorme impact. Madame Van Acter, mensen die hun huis... Nee, maar twee seconden. Alleen een vraag. Vous êtes dans la réplique déjà, parce que on oui, réplique, fait. Want normalement, gaat c'est over le président qui doit prendre la parole et puis vous répliquez, c'est ça non, le... Non, mais juste. Oui, jawel. Non, mais c'est après, normalement. Mais bon, allez-y, si vous voulez faire votre remarque. Ik heb de minister toch al horen tussenkomen over intellectuele coherentie, die hier niet zou zijn, daar wil ik ook nog wel op tussenkomen. Dus u zegt nu, we kunnen een debat doen over het feit dat mensen die op straat zijn gekomen niet uit hun huis mogen gezet worden. Maar, en dat we dan kunnen spreken over de duur en dat we dan moeten maatregelen nemen. Ja, ik snap dat we moeten maatregelen nemen door de implicaties van federaal. Maar we kunnen niet eens discussiëren. U zegt, we kunnen dan discussiëren over de duur. Nee, we kunnen niet discussiëren, want het zal de regering zijn. Die zal beslissen. U kan misschien binnen uw meerderheid discussiëren, maar de oppositie heeft daarin geen zeg. Dus nee, we hebben geen inhoudelijk debat daarover. Want het is de regering die beslist. Het parlement wordt buitenspel gezet. Oké? Okay? Dus wat u zegt klopt niet. Er zal geen inhoudelijk debat zijn. Zelfs als wij achteraf vragen stellen, oké, maar dat is geen inhoudelijk debat over de maatregelen die wordt genomen. Ten eerste, meneer de minister-president, u zegt dat wij er een gebrek aan intellectuele coherentie is, omdat we enerzijds vragen, je moet naar de Raad van State gaan, en anderzijds zeggen, je kunt via voorstel van ordonnantie werken. Heeft er ooit hier al iemand gezegd dat er niet via voorstel van ordonnantie mag gewerkt worden? Dat is een tactiek die heel veel wordt toegepast door heel alle parlementen. Dat is wettelijk, dat is correct. Ik denk dat dat heel coherent is dat dat kan. Vous répondez
Comme ça, vous la voyez aussi. La parole est à M. Rudi Vervoort, ministre-président du gouvernement. Maintenant, très brièvement, je pense que les institutions n'ont pas cessé de fonctionner durant toute la crise. Le contrôle a été permanent. Pour preuve, vous avez rappelé le nombre de questions, mais effectivement, on a eu des débats multiples durant toute cette période, en mode effectivement adapté à la situation, mais donc je ne pense pas que... Et on ne se situe pas ici dans le cadre de pouvoirs spéciaux qui viseraient à prendre des mesures, je dirais, générales, qui appartiennent exclusivement au Parlement. La plupart de ces mesures sont des mesures soit temporaires, c'est des mesures d'exception qui sont liées à... Elles ne sont pas là pour durer, donc on n'a pas modifié l'essence même de notre dispositif législatif. Le but n'est pas là. Le but, c'est de répondre et de prendre des mesures, je dirais effectivement, millimétré, temporaire, qui vise à faire, comme je l'ai dit, assurer la continuité des services, faire en sorte que la sécurité juridique soit aussi assurée par rapport à toute une série de décisions qui sont prises. Et donc, on est vraiment dans ce cadre-là. On n'est pas ici, ce n'est pas parce qu'on considère qu'il faut aller prendre des mesures très rapides, comme on a connu lors des gouvernements, des différents gouvernements Martens, auxquels ma famille politique n'a jamais participé, mais qui, là, effectivement, ont pris des mesures qui, effectivement, s'écartaient du champ de fonctionnement démocratique. On n'est pas du tout là-dedans. Donc, je veux rassurer l'ensemble des familles politiques ici. Ce n'est pas ça le but. Hein. Donc, voilà. Mais on peut, effectivement... Voilà. Moi, je n'ai pas fait de procès d'intention, ni aux uns, ni aux autres. Voilà, nous, on est là, et au quotidien, depuis le début de cette crise, on s'en serait bien passé, moi en premier... et donc toutes nos équipes, tous ceux qui travaillent, je dirais, d'arrache-pied aujourd'hui pour lutter contre cette pandémie, oui, je pense que ça mérite un débat qui est un peu, voilà, qui s'élève un tout petit peu par rapport à des considérations, somme toute, périphériques. Et donc, pour l'instant, le périphérique, ce n'est pas très important. Merci. Merci, M. Mitterrand. Je vois M. Debock qui souhaite reprendre la parole. Il y en a d'autres, oui, chers collègues, qui veulent reprendre la parole ? Monsieur Debock. C'était en réponse à l'intervention de Madame Van Achter. J'ai bien compris que le fédéral avait interdit les visites d'un certain nombre de logements et donc l'activité immobilière qui permettrait aux uns et aux autres de pouvoir effectivement trouver plus facilement un logement. C'est bien pour cette raison-là que votre exemple montre l'utilité des pouvoirs spéciaux. Pourquoi ? Parce que les délais de recours ou d'expulsion que nous avons dans notre propre code du logement, qui est la conséquence de la régionalisation de cette matière... Alors peut-être que vous allez plaider du coup pour la refédéralisation de la matière, mais le fait est que les délais qui sont dans le code du logement bruxellois, nous, en tout cas à Bruxelles lors de la première vague, à l'article 231, vous pouvez aller vérifier, il y a une mesure temporaire d'allongement des délais de 2 mois pour permettre à tout un chacun, effectivement, de pouvoir tenir compte de l'impact de la mesure fédérale, en réalité. Et si, effectivement, en Flandre, on n'a pas jugé bon et utile de le faire, ben moi, je me réjouis qu'en région bruxelloise, on ait été plus social. Kijk, dat minister Beel bestruit. Meneer De Bok is al hoe lang genomen ondertussen? Straks een maand. Ja? Ondertussen had er al lang naar het parlement kunnen komen met een voorstel van een resolutie deze ochtend op de agenda gezet. We hadden het debat kunnen voeren en gestemmen in de namiddag. Ik denk dat dat heel snel was gebeurd. Je had geen bijzondere machten nodig om dat te regelen. En had u een open discussie kunnen hebben over het nut, al dan niet het een of het ander. Het is nogthans bijzonder... dat je nu wel een prostituee mag gaan bezoeken in Brussel vandaag, maar nog geen huis mag gaan bezoeken. Hè. Dat is de situatie die we zijn. Ik denk dat de regering haar verantwoordelijkheid moet nemen en vooral federaal op tafel moet kloppen dat dat het ministerieel besluit moet worden aangepakt. Want houdt geen steek. En er zijn niet alleen uithuiszettingen. Hè. Er zijn ook mensen die scheiden, die ruzie hebben, die meer onder één dak kunnen wonen. Er zijn heel wat schrijnende gevallen van mensen die op straat belanden om een of andere reden of die beter zouden vertrekken uit hun woning. Gasproblemen, andere ongezonde problemen. Dus het is niet alleen die uithuiszettingen. Dus ik denk dat er nog grotere problemen zijn die moeten worden aangepakt. En dat we hier goed een discussie kunnen over hebben. Ik heb daar geen probleem mee. Maar dit lost niet alles op, hè. Ik denk dat er daar federaal ook nog eens op tafel zou mogen geklopt worden. Ik roep onze minister-president op om dat te doen. Oké, merci beaucoup. La discussion générale est close. Nous passons à la discussion des articles. Discussion des articles, article 1er à 5. Y a-t-il des observations, des remarques ?
Nous procéderons tout à l'heure au vote nominatif sur l'ensemble du projet d'ordonnance Zullen later stemmen over het geheel van het ontwerp van ordonnantie. L'ordre du jour appelle la discussion générale de la proposition de résolution de Mme Dufourny, M. Van Goetsenhove, M. Commence de Brachen pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine des cimetières bruxellois par la mise en place systématique d'inventaire des objets et artefacts présentant un intérêt patrimonial. C'est le document A67-1 et 2. La discussion générale est ouverte. Madame Fadila Alanan, rapporteuse, s'en réfère à son rapport écrit. Quelqu'un demande-t-il la parole? Moi, Monsieur le Président, si vous le souhaitez. Je vous en prie, Monsieur Van Goetsenhoven, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je prends mon petit document. Voilà, pour amener un petit peu de gaieté ce matin, nous allons parler un petit peu des cimetières et l'intérêt évidemment des cimetières bruxellois a déjà fait évidemment l'objet de différentes interventions dans notre Parlement. La préservation des riches caractéristiques de notre histoire présente entre les pierres des sépultures est d'autant plus importante que nous savons que la non-restauration de ce patrimoine laisse tomber certains cimetières bruxellois en désuétude. Le temps fait son œuvre, évidemment, certains monuments funéraires se retrouvent en grande partie dégradés, dans le pire des cas, sont amenés à disparaître à plus ou moins brève échéance. En outre, la tendance actuelle à l'uniformisation des matériaux et des techniques utilisées rend d'autant plus précieuses certaines sépultures anciennes qui témoignent évidemment d'une culture et de mode et de façon de faire et d'appréhender la mort qui sont aujourd'hui en passe de disparaître. Pour cette raison, nous estimons qu'il est temps de se saisir de cette question patrimoniale en prenant des mesures concrètes. Ainsi, le fonctionnement et la gestion des cimetières relèvent des compétences communales. Le patrimoine patrimonial est bien une compétence régionale. L'objectif de cette proposition est ainsi d'encourager une coopération renforcée entre les deux niveaux de pouvoir, la région et la commune, afin de surmonter la menace qui plane sur ces témoignages historiques. En ce sens, la création d'une base de données régionale composée d'inventaires des objets présentant un intérêt patrimonial permettrait de concrétiser et de conscientiser toute une série d'acteurs et les citoyens en premier lieu de l'intérêt que représentent les cimetières. Cette base de données permettrait également de disposer d'un outil approprié pour prendre des mesures contextualisées de préservation, de restauration des monuments en péril jugés dignes d'intérêt. Il s'agit d'ailleurs d'une démarche qui a été entreprise par certaines régions, par exemple en France, avec un réel succès. En outre, cet inventaire spécialement dédié aux cimetières pourrait opportunément s'intégrer au portail Internet consacré à l'inventaire du patrimoine architectural bruxellois. Un autre élément à prendre en considération, selon nous, et il est de grande actualité, le pillage dont fait régulièrement l'objet certains nombre de cimetières. Les lacunes relatives à la sécurité sont malheureusement significatives. Sans une protection renforcée, notre patrimoine commun pourrait évidemment durablement être atteint et de façon irréversible. À nouveau, la présence d'un inventaire reprenant l'ensemble des objets dignes d'intérêt permettrait d'évaluer les sites pour lesquels la mise en place de moyens de protection s'avérerait utile, en définissant les outils permettant une sauvegarde optimale. Dans ce contexte, évidemment, nous avons fait en sorte, lors des débats en commission, d'être ouvert à toute forme d'amendement. Il n'en a été posé aucun. Certains nombres de groupes néanmoins nous ont soutenus et nous les en remercions. Nous n'avons pas réussi à convaincre la majorité de se joindre à ces démarches. Notre texte étant jugé par d'aucuns superfétatoire, d'autres se sont limités à un débat sur la pertinence de la sécurisation, ce qui était évidemment hors contexte. Voilà, il y a une urgence, il y a une nécessité. La situation actuelle qui pèse sur ces monuments funéraires est extrêmement préoccupante et donc nous avons voulu agir en la matière avant qu'il ne soit trop tard.
Malheureusement, en commission, nous n'avons pas réussi à obtenir un vote donc, et un soutien de la majorité. Néanmoins, nous considérons que ce débat a sa pleine actualité et qu'il est pour notre génération un devoir essentiel d'éviter tout simplement la destruction et la disparition irrémédiable et définitive d'un témoin artistique et patrimonial essentiel au cœur de notre ville-région. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Van Watsenhoven. Je regarde ici au sein de l'Assemblée. Y a-t-il d'autres collègues qui souhaitent intervenir? Non. La discussion générale est close. Nous procéderons tout à l'heure, conformément à l'article 91.4 du règlement, au vote nominatif sur les conclusions de la Commission. Chers collègues, l'ordre du jour appelle la discussion générale de la proposition d'ordonnance de Mesdames Durcel, Teitelbaum, Bertrand, Tchekalski visant une planification urbanistique intégrant un système de collecte des déchets intelligent et différencié. C'est le document à 115-1 et 2 de Algemene Bespreking is reopened. Het woord is aan mevrouw Parmentier en de heer Geoffroy Commence de Brachen, rapporteur. Monsieur de Brachen, vous êtes tout... Oui, monsieur le Président. Vous avez la parole. Merci, monsieur le Président. J'espère que vous m'entendez bien. Parfaitement. Merci. Alors, je n'ai pas le talent oratoire de monsieur Segers, mais néanmoins, et je n'ai d'ailleurs pas de tableau dans le dos, mais je vais néanmoins essayer de vous présenter le rapport sur la planification urbanistique intégrant un système de collecte des déchets intelligents et différenciés. Alors, pour le contexte, madame Durcel a expliqué que la proposition d'ordonnance visait deux objectifs. Plus de propreté à Bruxelles et un meilleur tri des déchets. Sous la législature précédente, la majorité avait rejeté cette proposition d'ordonnance car des projets pilotes avaient vu le jour et que l'on attendait le résultat ainsi que la modification du RRE. 3 ans plus tard, après ce rejet, il n'a toujours pas été possible d'avoir une gestion efficace de ces déchets et la mise en place d'un système différencié et intelligent de collecte qui épouse la spécificité des quartiers pour être le plus adapté à la configuration urbanistique et démographique de ceux-ci et intégrant les nouvelles technologies qui permettront d'optimiser la gestion. Les développements de la proposition d'ordonnance soulignent les possibilités qui s'offrent aux Bruxellois et qui donnent d'excellents résultats à l'étranger. Madame Durcel évoque que plusieurs villes, combinant un centre historique ancien et dense, à forte valeur patrimoniale, avec des accès parfois difficiles et des quartiers mixtes ou résidentiels, et de nouveaux quartiers, parfois éco-quartiers, ont opté pour une gestion différenciée combinant différents équipements de collecte. Et ils ont investi dans les technologies avec des résultats probants. Pour opérer ce processus, il est indispensable de fondre ce principe dans les dispositions réglementaires en matière d'urbanisme et d'aménagement de voirie. Il est dès lors indispensable d'opérer une modification du RRU, et plus précisément son titre 2, chapitre 5, article 16. La discussion générale s'entame avec Écolo, et pour elle, Madame Ingrid Parmentier, qui remercie le groupe MR d'avoir déposé cette proposition d'ordonnance. Elle souligne qu'il est possible d'intégrer dans les nouveaux quartiers à construire des équipements spécifiques permettant le rassemblement des déchets et leur évacuation sur un point unique. Cela a été mis en œuvre au quartier Tivoli. Ce site accueille des conteneurs enterrés destinés à 4 actions de déchets. Madame Parmentier fait remarquer qu'il faut que la BP soit en mesure d'assurer ses collectes qui nécessitent d'autres modalités que le simple ramassage des sacs en porte-à-porte. En effet, la BP se trouve actuellement dans une situation délicate. Elle est appelée à connaître une réforme d'ampleur qui comprendra notamment l'élaboration d'un nouveau plan stratégique et opérationnel. À ce stade, son groupe n'a pas de motif à penser qu'une initiative parlementaire soit nécessaire. Pour mon groupe parlementaire MR, j'avais souligné pour ma part que cette proposition d'ordonnance avait été signée par Écolo jadis dans l'opposition et que j'étais consterné de voir que brusquement ce texte ne semblait plus avoir de sens, je les cite, parce que la réforme était en cours. Dans des précédentes fonctions, j'avais d'ailleurs eu l'occasion de traiter quelques 6000 permis d'urbanisme à quasi aucune occasion, il ne m'avait été possible d'étudier cet aspect des choses. Très rarement, il a d'ailleurs été possible de le faire à l'échelle d'un quartier. C'était alors à la ville de Bruxelles et non à la région de formuler ce type de proposition. Pour le groupe NVA, M. Van den Borre estime que la propreté est un des problèmes les plus épineux à Bruxelles. Les Bruxellois, comme les étrangers en visite, sont en irrite. Année après année, depuis 20 ans, les communes bruxelloises figurent au top 10 des pires communes du pays. Il souligne qu'Arno Verstraten avait
en personne remercier le groupe MR pour ses propositions d'ordonnance en séance du 27 avril 2018. Comme sous la législature précédente, la NVA souligne la proposition et la soutient. Pour le groupe PTB, Mme Gropi estime, au nom de son groupe, que c'est une bonne idée de réfléchir à l'aménagement du territoire à propos de la gestion des déchets. C'est notamment une bonne chose pour tout nouveau projet de quartier. Les conteneurs enterrés sont une excellente idée à retenir. Cependant, l'idée des conteneurs individuels à puce est une idée qui heurte l'oratrice. En Wallonie, par exemple, on peut observer que c'est l'occasion de réclamer un paiement de la part des usagers en fonction du poids des déchets déposés. Le groupe PTB s'abstiendra donc. Pour le groupe Groen, Mme Soutkin Houssen soutient que Bruxelles puisse souscrit à ce que Bruxelles puisse détenir une gestion adéquate et efficace des déchets. Pour elle, il faut miser sur la prévention et la sensibilisation, ainsi que donner une seconde vie au maximum de nos déchets à travers un système de tri et recyclage. Elle évoque qu'il serait intéressant d'évaluer plusieurs projets où il y a eu recours à des conteneurs enterrés. Pour le groupe PS, Mme Delphine Chabert dit que le problème du dossier est qu'il impose une obligation d'intégrer un système d'équipement collectif plutôt qu'une réflexion en amont, car il y a des limites à prendre en compte et que plusieurs projets sont déjà en cours. Il faut donc laisser ouvert l'examen au cas par cas. Pour le groupe Défi, M. Coxal avait préféré reporter le débat, aurait préféré reporter le débat avant d'entamer le fond, mais estime que la proposition d'ordonnance contient de nombreux points intéressants. Il se pose plusieurs questions sur la DP par rapport au fonctionnement actuel. L'orateur s'abstiendra lors du vote. Enfin, dernier groupe, CDH, Madame Frémaux souligne qu'il y a de nombreuses intentions louables dans le texte, mais qu'elle s'abstiendra lors du vote, car il n'est pas vraiment possible de voter ce texte sans un avis préalable de l'acteur régional, la BP. J'en termine par Madame Durcel, qui a donné la lecture de son texte. Elle écoute les arguments différents intervenants, mais trouve qu'ils sont contradictoires. Elle proposera une visite in situ en commission de l'environnement. Le groupe MR a déposé aussi une proposition de résolution qui permettra d'aller assez loin dans un système différencié sur la totalité du territoire bruxellois. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Comans de Brachen, pour ce rapport et cette analyse. Alors, je cède à présent la parole. J'ai vu que M. Sadi Coxal demande la parole et Mme Soutkin Houssen. Nous allons commencer par Mevrouw Houssen et puis M. Coxal. Mevrouw Houssen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Een stad in de 20e eeuw heeft absoluut een efficiënt en adequaat beheer van afval nodig. En een ambitieus afvalverwerkingsbeleid draagt niet alleen bij aan een betere leefbaarheid, maar past ook in de principes van de circulaire economie en het behalen van de klimaatdoelstellingen. Natuurlijk is het beste afval het afval dat niet bestaat. En dus moeten we in eerste instantie inzetten op preventie en sensibilisering. Een sterk sorterings- en recyclagesysteem is verder ook nodig om zoveel mogelijk van ons afval een tweede leven te geven. Waarbij we niet bang moeten zijn voor innovatieve oplossingen. De vorige legislatuur heeft Groen dit voorstel om die reden gesteund. In het akkoord van de huidige regering vinden we ambitieuze maatregelen terug rond afvalverwerking, onder andere wat ophaling betreft. En zo staat er bijvoorbeeld dat het nodig zal zijn om de selectieve inzameling kwalitatief en kwantitatief te verbeteren, onder andere door de ophaling van P+ plastic in te voeren. Het aantal ondergrondse glasbollen verder te verhogen en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om containers in te zetten om deze manier van afvalinzameling strategischer te toepassen voor een betere openbare netheid en sortering. Bovendien zegt het regeerakkoord verder dat bij de ontwikkeling van nieuwe wijken vanuit de logica van de kringloop-economie ruimtes zullen voorbehouden worden voor de gescheiden recuperatie van afval. Dit zal in het bijzonder gebeuren door middel van ondergrondse containers. Er zijn momenteel al een aantal woonprojecten waar ondergrondse containers zijn geïnstalleerd voor verschillende soorten afval. Het voorbeeld is al gegeven van de Tivoliwijk in Laken. Het zou interessant zijn inderdaad om een evaluatie te doen van het gebruik en de werking van de containers om hier lessen uit te trekken voor eventueel toekomstige installaties. Dus omdat de regering dus al een aantal heel ambitieuze maatregelen voorziet rond afvalverwerking en ophaling, zal Groen dit voorstel van MR dus niet steunen. Dank u wel. Dank u, mevrouw Houssen. Monsieur Coxal, vous avez la parole. Merci, monsieur le président.
Effectivement, comme l'a rappelé le rapporteur, lors de la commission, je me suis abstenu parce que j'avais demandé le report du point pour pouvoir faire des vérifications supplémentaires, entre autres. On faisait référence à plus d'une trentaine d'études, de projets pilotes, d'exemples, et qu'il fallait également inclure l'agence Bruxelles-Propreté, puisque cela impacterait le fonctionnement de l'agence Bruxelles-Propreté. Malheureusement, ma demande n'avait pas été suivie, et donc, raison pour laquelle je me suis abstenu et que je m'abstiendrai également aujourd'hui lors du vote. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Coxal. Je vois Madame Anne-Charlotte Durcel qui souhaite prendre la parole. Madame Durcel, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, chers collègues, on vous entend très mal, Madame Durcel. Est-ce que vous pouvez monter votre micro chez vous? On vous entend. Le son est très faible. J'ai l'impression que c'est soit l'image, soit le son, donc j'avais supprimé l'image. Je ne comprends pas ce que vous dites. Peut-être qu'en coupant l'image, vous aurez le son, je ne sais pas. Je propose que vous coupiez votre caméra et le son... Est-ce que vous m'entendez comme ça? Voilà, c'est super, c'est super. Je vous en prie. Chers collègues, Bruxelles est sale. C'est le constat dressé par 82% des expatriés interrogé par le bureau de liaison Bruxelles-Europe il y a quelques années. Il faut reconnaître que c'est le cas dans de nombreux quartiers aujourd'hui. Alors, à qui la faute? Certainement pas aux plus de 2500 travailleurs de Bruxelles-Propreté qui accomplissent avec professionnalisme un lourd et utile travail quotidien au bénéfice de tous les Bruxellois. Et je voudrais leur rendre hommage, en particulier en cette période de pandémie. Les responsables, ce sont ceux qui sont à la barre depuis tant d'années, sans sortir la capitale de l'Europe de la malpropreté. C'est sa non-gestion, ou plutôt sa mauvaise gestion, récemment attestée par les audits réclamés à corps et à cri, entre autres par l'EMR. Trois coûteuses réformes de l'ABP ont été réalisées en 15 ans. Elles ont été appelées réformes par leurs auteurs. Il eût été plus juste de les appeler modifications organisationnelles relatives pour les Bruxellois à la couleur des sacs et aux jours de collecte. Rien de plus. Une réforme digne de ce nom aurait impliqué une réflexion approfondie sur notre mode de consommation, sur les trois R, réduire, réutiliser, recycler, sur le contenu, mais aussi le contenant de nos poubelles, sur les systèmes de collecte innovants qui s'offrent aux Bruxellois et qui ont montré leur efficacité à l'étranger. Lorsqu'on analyse le phénomène de la malpropreté à Bruxelles et l'organisation actuelle des collectes, deux fondements frappent l'esprit. Le premier est de considérer un mode de collecte uniforme sur l'entièreté du territoire, alors que notre région comprend des quartiers aux configurations urbanistiques et démographiques très diverses. Le second est de considérer un contenant unique pour les déchets ménagers, c'est-à-dire ce dispositif archaïque qui est celui du sac poubelle en plastique déposé dans la rue devant chez soi. Il faut reconnaître que ces sacs qui jonchent les trottoirs à Bruxelles chaque jour participent à cette impression de saleté de notre capitale. Que dire des sacs éventrés, du balai des camions poubelles plusieurs fois par semaine, de nos déchets organiques qui partent en camion diesel pour le centre de biométhanisation à Ypres, à 150 km de Bruxelles. Alors c'est vrai que la déclaration de politique régionale est plutôt encourageante. C'est vrai qu'une modification du RRU est annoncée depuis plusieurs années. C'est vrai que depuis le dépôt de notre proposition, des projets pilotes de conteneurs enterrés dans des nouveaux quartiers ont vu le jour. So what? En quoi est-ce que cela remet en cause l'adoption de ce texte qui va plus loin que le texte du RRU et qui précise clairement dans un texte d'ordonnance une ambition de la région? Rien. Au contraire, il s'agirait d'un signal positif de sortie d'un attentisme inouï en matière de propreté publique. Je soulignerai que dans le cadre des débats sur cette ordonnance, le mauvais jeu politique était à son comble. Alors qu'un courageux membre de la majorité, jugeant le débat utile, avait demandé des auditions, cela lui fut refusé. D'autres qui avaient voté pour le texte il y a 2 ans annonçaient qu'ils voteraient contre. D'autres dans la majorité précédente ont eu la cohérence de s'abstenir. Je constate aujourd'hui, et je pense que c'est important de le souligner,
un raidissement dans l'attitude de cette majorité face à des textes de l'opposition. Je pense que la moindre des choses était d'entendre ce membre de la majorité qui proposait une ou plusieurs auditions pour nourrir le débat, plutôt que de couler ce texte par le fond. Ceci est un appel à plus d'écoute et de respect, aussi entre membres de la majorité. Rappelons que notre texte s'attaquait à la malpropreté sous l'angle urbanistique dans tout nouveau projet immobilier. Une solution innovante pour récolter les déchets organiques devait être intégrée en amont du projet. Idem pour la collecte des déchets de ménagers pour tout nouveau quartier. Dois-je rappeler que notre texte n'imposait aucun modèle? Il imposait d'avoir pensé à un modèle avant la construction d'un projet. Sachant que des dizaines de solutions existent de façon à pouvoir choisir le plus adapté aux habitants et aux quartiers, objectif poursuivi, un meilleur tri et une meilleure qualité de vie à Bruxelles. Pour cela, une nouvelle fois, Tom, Emma, Anissa, Marie, mais aussi Émir, Rachid, Fadila et Alain, enfin tous les Bruxellois, devront encore attendre. Je vous remercie. Merci Madame Durcel. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres collègues qui souhaitent prendre la parole. Je signale, Madame Durcel, les applaudissements de votre chef de groupe, parce que comme elle ne le voit pas, je préfère le dire, je ne sais pas si on l'entend. Y a-t-il d'autres intervenants? Non? Parfait. Alors, puisqu'il n'y a pas d'autres intervenants, je déclare la discussion générale close. Nous procéderons tout à l'heure au vote nominatif sur les conclusions de la commission. Chers collègues, l'ordre du jour appelle la discussion générale du projet d'ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération du 17 juillet 2019 entre l'État fédéral, la région flamande, la région wallonne et la région de Bruxelles-Capitale concernant l'unification de la manière de référencer les adresses et de la mise en relation des données d'adresse. C'est le document A196-1-2. La discussion générale est ouverte. Madame Fadila Lahanane, rapporteuse, s'en réfère à son rapport écrit. La parole est à Monsieur Bernard Clerfailly, ministre du gouvernement, chargé de l'emploi, de la formation professionnelle, de la transition numérique et des pouvoirs locaux. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Je me réjouis de l'unanimité qu'il y a eu en commission pour voter ce texte. C'est une amélioration de nos pratiques, de nos communes, d'adopter un registre d'adresses cohérent en région bruxelloise qui va permettre d'éviter une série d'erreurs dans l'envoi des convocations électorales, de connaître précisément qui habite dans tel immeuble, s'il y a une intervention des pompiers, et qui permettra aussi, à terme, en coordonnant les informations précises des adresses, de rendre cohérent ce fichier d'adresse avec les fichiers de données cadastrales, les données du service de l'urbanisme, et peut-être, dans certains cas, de lutter contre des situations de marchands de sommeil, de division d'immeubles illégales ou d'autres... Désagréments de cette nature. Voilà, c'est un accord de coopération entre les trois régions et l'État fédéral afin d'avoir une nomenclature d'adresses cohérente entre les trois régions. C'est une bonne chose. Bruxelles est un peu en retard et donc il est bon qu'on rattrape notre retard sur ce dossier. Merci, Monsieur le ministre. Je ne sais pas si l'un ou l'autre collègue veulent intervenir. Je regarde la salle, je regarde le chat. Moi, si vous voulez. Et c'est qui c'est? Je ne veux... J'ai pas... C'est Laurent Bardin. Madame Barzin, vous avez la parole, Madame Barzin. Voilà, je vais être évidemment brève à ce sujet, mais il avait été défini, nous allions apporter un petit grain de sel. Alors, je voulais indiquer que vous prenez votre rapport à un projet d'ordonnance qui porte en effet donc assentiment. On a un petit problème de son, Madame Barzin. Et, peut-être le régler ou alors peut-être couper la caméra, comme on a fait avec Madame Durcel, le son était meilleur. Voilà, je fais un... Si, ça... Oui, c'est beaucoup mieux. Ça va mieux? Ah, très bien, parfait. Alors, je vais juste poursuivre. Donc, c'est un accord de coopération qui, comme cela a été précisé, a pour objet de créer une source authentique d'adresses au niveau belge, ce qui complète dès lors au niveau bruxellois la base de données ProBIS avec les adresses précises. Ce faisant, les services à la population seront améliorés, notamment en cas de nécessité d'accès rapide des services de secours ou de police. Nous regrettons néanmoins le retard dont a parlé également le ministre, pris par la région bruxelloise, sachant que le Parlement flamand a déjà approuvé cet accord de coopération le 7 février dernier. Voilà, merci. Merci Madame Barzin. Je ne vois pas d'autres demandes de prise de parole de nos collègues en visioconférence. La discussion générale est close. Nous passons à la discussion des articles. Article 1er. Pas d'observation, rien de besoin. Adopté. Article 2. Rien de besoin, pas d'observation.
angenommen, adopté. La discussion des articles est close. Nous procéderons tout à l'heure au vote nominatif sur l'ensemble du projet d'ordonnance. Wir sollen later stemmen über die Hälfte von der Entwerfenordnance. L'ordre du jour appelle la discussion générale de la proposition de résolution de messieurs de Brachen, de Wolf, de madame Tettelbaum relative à la candidature du quartier européen au label du patrimoine européen. C'est le document A130-1 et 2. La parole est à madame Isabelle Potier, rapporteuse. Madame Potier, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour, monsieur le président, vous m'entendez? Parfaitement, vous pouvez même monter un peu le volume de votre micro. Voilà. Vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Donc, effectivement, il s'agit d'une proposition de résolution portée par le groupe MR et présentée par monsieur Geoffroy Commence de Brachen, qui concerne qui est relative, pardon, à la candidature du quartier européen au label du patrimoine européen. La proposition a pour objet la candidature du quartier européen au label du patrimoine européen, à ne pas confondre avec la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, bien connue, et pour laquelle Bruxelles s'est déjà distinguée. Le label créé en 2013 a vocation de référer les sites ayant un lien avec l'histoire européenne et la construction de l'Union. Il y a actuellement 48 sites en Europe qui ont obtenu ce label, 2 en Belgique, le Bois du Cazier à Marcinelle et le Mundaneum à Mons, mais aucun à Bruxelles. C'est pourquoi le MR a déposé cette proposition de résolution afin que le gouvernement bruxellois propose le quartier européen comme candidat au label du patrimoine européen. Le groupe MR estime en effet que c'est une occasion, une ambition de décerner ce label aux sites qui possèdent une forte valeur symbolique pour l'Union européenne et qui mettent en relief l'histoire commune de l'Europe, la construction de l'Union, ainsi que les valeurs européennes et les droits de l'homme qui soutiennent l'intégration européenne. Alors, pour le groupe écolo, j'ai souligné qu'une proposition de résolution n'est pas nécessaire pour proposer la candidature d'un site au jury du label du patrimoine européen. Ainsi, en 2018, la Fédération Wallonie-Bruxelles a lancé un appel à candidature sur son site Internet en vue de sélectionner des candidats. Cela paraît même une opportunité en termes de consultation de la population, qu'il s'agisse plutôt d'une démarche qui vienne de la population que du gouvernement ou des institutions. Par ailleurs, le quartier européen incarne aujourd'hui, malheureusement, en l'état, bien mal les valeurs européennes de solidarité sociale. Son image est malheureusement désastreuse. Bruxelles a-t-elle vraiment besoin d'un label pour rappeler à tous qu'elle est la capitale de l'Europe, alors qu'on utilise même le terme Bruxelles pour dire les institutions européennes? Par ailleurs, soutenir des acteurs culturels existants avec ce type de label nous paraît plus opportun que de distinguer des murs rideaux. Le groupe écolo pourrait soutenir une autre proposition sans pour autant créer une résolution. Madame Lanan, pour le groupe PS, estime que l'apport du quartier européen pour la construction européenne va de soi. Les sièges des institutions parmi les plus importants de l'Union y seront concentrés. Bruxelles est, comme chacun le sait, la capitale de l'Union et cela semble évident. Elle reste perplexe également quant à la pertinence de proposer le quartier européen en lui-même pour intégrer l'image de l'Union. En effet, l'obtention d'un tel label nécessite un dossier de candidature solide, porté par une structure et qui doit présenter un plan d'action bien établi. C'est pourquoi elle estime qu'un tel projet doit être mûrement réfléchi et construit sous peine de passer pour un effet d'annonce. Et c'est pourquoi le groupe PS a décidé de ne pas soutenir cette proposition de résolution. Madame Soutkin-Houssen, pour Groen, explique que l'idée de proposer un site bruxellois comme candidat au label du patrimoine européen
est très intéressante et peut contribuer à la reconnaissance et la valorisation des sites de notre ville, mais il ne semblait pas utile non plus de proposer une résolution en ce sens, et c'est pourquoi Groen n'a pas soutenu ce texte. En réponse aux arguments de la majorité, M. Geoffroy Commence de Brachen s'est montré déçu et a rappelé que le label patrimoine européen, dans ce cas, les lieux ne sont pas choisis parce qu'ils seraient beaux ou intéressants, mais simplement parce qu'ils sont valorisants par rapport à l'histoire européenne qu'ils incarnent. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Madame Potier. Je vais céder la parole à Monsieur de Brachen, s'il souhaite intervenir, puisqu'il est le premier. Merci, Monsieur le Président. Vous avez la parole. Lorsque je... Pardon ? Je dis, vous avez la parole. Merci, merci, Monsieur le Président. Lorsque je suis devenu député, je me suis tourné très vite vers mes collègues plus expérimentés et plus anciens que moi au sein de cette Assemblée, afin de voir comment il était possible d'améliorer les choses, d'optimiser certaines ordonnances et au final de contribuer au bien-être et à une meilleure qualité de vie pour les Bruxellois. Directement, on m'a répondu, écoute, t'emballe pas, ça fait 15 ans que nous sommes dans l'opposition et la majorité rejettera systématiquement tout ce que tu lui poseras. Pour le simple principe que tu es dans l'opposition, quitte, me disait-il, à déposer et approuver le même texte dans 6 mois, quitte à en changer 3 virgules. Dès lors, j'avais moi-même félicité John Pitsais lorsque, fraîchement nommé comme chef de groupe écolo, il avait déclaré ici, dans cette assemblée, à notre attention, et je le cite, « Ce n'est pas parce que les textes viennent de l'opposition que nous les refuserons pour autant. Ils seront étudiés comme ceux de la majorité. » Alors, fort de cette phrase importante, surtout émanant d'un chef de groupe d'un des plus grands partis de la majorité, j'avais cru, un temps du moins, que ces déclarations étaient sincères. Alors, je vous avoue être évidemment un peu décontenancé quand j'ai entendu les arguments qui avaient été avancés. Je les résumerai encore peut-être plus que la rapporteuse en disant, évidemment, pour écolo, le quartier européen est moche, donc ça ne vaut pas la peine. Pour les socialistes, ça va coûter beaucoup d'argent, donc ce n'est pas une urgence. Et pour défi, je n'ai pas très bien compris, oui, oui, mais non, non, mais que du contraire, et ce n'est pas grave. Bon, ce n'est pas grave, c'est dommage. C'est dommage et c'est un regret pour moi parce que cette proposition, elle émanait tout simplement d'un fonctionnaire européen qui, il y a quelques années, était venu me voir. Il se fait qu'il était belge et bruxellois et travaillait pour ces labels du patrimoine européen. Et me disait, c'est quand même fou que moi, comme bruxellois, je dois défendre des candidatures venant de l'autre côté du monde et je ne puisse pas défendre ma ville dont je suis amoureux, alors que, et on ne l'a pas précisé ici, le quartier européen de Strasbourg, voici 4 ans, a obtenu ce label. Alors, effectivement, j'aurais pu vous dire que ce label a pour vocation de référencer les sites ayant un lien avec l'histoire européenne et la lente construction de l'Union telle que nous la connaissons aujourd'hui, au travers de moments qui ont contribué à rapprocher les peuples de l'Union. Ces sites célèbrent et symbolisent les valeurs, l'histoire, l'intégration et les idéaux européens. Ils ne sont pas effectivement choisis pour leur esthétique ou leur beauté, vous l'avez compris. Et ça, c'est un élément très important. C'est pour la symbolique. Alors, au moment où on nous parle de populisme qui déferle sur l'Europe, et on le voit ici dans le cadre de cette crise, c'est particulièrement important. Je pense que rapprocher les peuples de l'Union européenne autour de cela aurait été opportun. Et c'est dommage que les Français aient pu se rassembler comme un seul homme autour de Strasbourg. Et tous, du premier coup, ont évidemment estimé que c'était une évidence de proposer le quartier européen de Strasbourg. Et que 4 ans plus tard, les Bruxellois continuent à tergiverser, mais ce texte, malheureusement, vient de l'opposition. Il n'est pas utile de le déposer et on va trouver autre chose et ce n'est pas grave. Je trouve, et je vous le dis sincèrement, oui, je suis un homme déçu. Je trouve que c'est dommage parce que j'avais espéré que pour un texte comme ça, nous pouvions faire un consensus. Et j'en termine avec ça. Parce que, tout à fait par hasard, est arrivé en fin de semaine un soutien de choix et très inattendu. À savoir un collaborateur, et par respect pour lui, je ne vais pas le citer, un collaborateur très, peut-être l'a-t-il fait innocemment, ne se rendant pas compte des conséquences, collaborateur d'Alain Hutchinson, qui, sur les réseaux sociaux,
même Alan Chinson, commissaire aux affaires européennes, et je vous le cite. Vous serez, je vous assure, je ne l'ai pas payé, je ne l'ai pas vu depuis des mois ce collaborateur, donc franchement, si je l'avais payé, il n'aurait pas dit mieux. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que ce vendredi, la séance plénière du Parlement régional bruxellois discutera de la proposition de 3 députés concernant la candidature du quartier européen au label du patrimoine européen. Un tel quartier en chantier, mais toujours en évolution, peut-il devenir un symbole de l'esprit européen? Eh bien, nos collègues décideurs de, ils les citent, Ville et Eurométropole de Strasbourg ont relevé le défi il y a 4 ans. Et ils terminent en disant « Pourquoi Bruxelles n'est-elle pas aussi fière de cette opportunité de promouvoir les valeurs européennes ?» Je crois qu'avec ces quelques phrases, il a tout résumé. Nous avions ici une opportunité, une véritable opportunité de promouvoir cette idée à laquelle je crois profondément, cette idée européenne. Et je regrette que les Bruxellois, ici nous ne sommes que Bruxellois, et justement, nous ne puissions pas valoriser notre ville. On a tellement reproché pendant tellement d'années que la Flandre et la Wallonie, qui avaient une tutelle sur Bruxelles, ne souhaitaient pas mettre Bruxelles en valeur. Ici, nous en avions une belle opportunité, eh bien, que nous ne puissions pas avoir une forme d'union sacrée là-dessus. Croyez bien que je le déplore. Voilà, et j'en termine avec cela, Monsieur le Président. Applaudissements de la chef de groupe du MR. Je ne sais pas si vous l'entendez, Monsieur de Brachen. Je vous remercie, alors, je l'entends et je le remercie aussi. Je vois une main qui se lève sur le chat. Monsieur Coxal, est-ce que vous souhaitez intervenir ou bien c'est la main de tout à l'heure que vous n'avez pas enlevée? Manifestement, c'est la main de tout à l'heure. Bien, y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Non. La discussion générale est close. En application de l'article 91.4 du règlement, nous procéderons tout à l'heure au vote nominatif sur les conclusions de la commission. Chers collègues, l'ordre du jour appelle la discussion générale de la proposition d'ordonnance de messieurs Geisel, Spitzes, Moreno, Van Engel, De Bock, modifiant l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale. C'est le document A143-1-2. De Algemene Bespreking is geopend. Je donne la parole à madame Latifa Ait Bala, rapporteuse, pour son rapport. Madame Bala, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Alors, effectivement, il est question de parler de la proposition d'ordonnance qui est portée par Messieurs Jean Geisels en tant que premier co-auteur, Monsieur Pitseis, Benjamin Moreno, Van Engel, ainsi que Monsieur De Bock. 1994, relative à la reprise de la fiscalité provinciale. Alors, la modification qui est proposée s'avère effectivement nécessaire en raison de l'interprétation nouvelle qui est faite par Bruxelles Fiscalité sur le régime de la taxation à appliquer au Mont-de-Piété. Alors, les auteurs nous expliquent en effet, dans leur développement, que le Mont-de-Piété n'avait pas été visé avant cette année par la taxe sur les établissements bancaires et financiers et les distributeurs automatiques de billets. Alors, cette ordonnance du 22 décembre 1994 vise clairement le secteur des banques, comme en témoigne l'article 4, qui exonère de toute taxe les banques dont l'activité est censée basse, à savoir celles disposant de moins de 2 guichets ou de 2 agents, les études de notaire, les agences d'assurance, qui, précise-t-on dans le commentaire des articles, ne sont pas considérées comme des banques. Et par extension, le Mont-de-Piété a toujours échappé à cette taxe, bien que cette exonération ne fût jamais reprise comme telle dans l'ordonnance précité. Alors en effet, comme le rappelle M. Geisels, le Mont-de-Piété de la ville de Bruxelles, institution publique, est le seul organisme qui est habilité pour le prêt sur gage en Belgique et il rend par ailleurs ce service à la population depuis 401 ans. L'institution ne poursuit qu'un objectif qui est par ailleurs social et la loi interdit tout dividende et oblige le Mont-de-Piété à réinvestir les éventuels soldes positifs dans l'activité des prêts aux particuliers. Quoique cette institution soit ancienne, elle est effectivement toujours particulièrement fréquentée puisqu'elle octroie encore quelques 20 000 prêts par an. Le Mont-de-Piété ne peut pas être considéré comme une institution financière devant contribuer via la taxe aux investissements de la région dans le tissu économique lorsque l'on sait que l'institution accorde des prêts d'ailleurs à partir de 30 euros et que le montant moyen du prêt en 2019 était de 510 euros.
euros. Il est donc proposé de modifier l'article 4 de l'ordonnance du 22 décembre 1994 afin d'y ajouter une clause d'exonération. Alors, au cours de la discussion générale, pour la NVA, Mme Van Aert avait effectivement s'était posé la question de savoir pourquoi la pourquoi effectivement l'administration régionale décide tout à coup d'appliquer une taxe à cette institution. Pour ce qui est du défi, M. Emmanuel De Bock a rappelé effectivement que le monde de pied de 20 000 prêts par an et que la proposition d'ordonnance qui propose effectivement donc, d'exonérer l'institution de la taxe sur les établissements bancaires au motif qu'elle exerce des missions de service public et qu'elle est aujourd'hui l'un des rares établissements qui accepte encore d'accorder des petits prêts au public vulnérable à des conditions particulièrement avantageuses. Et on sait qu'en les circonstances actuelles, eh bien, cette institution continue à jouer un rôle important. Pour ce qui est de Groen, M. Benjumea Moreno a souligné effectivement l'importance aujourd'hui de faire preuve de bonne gouvernance parce que cette proposition apporte de la clarté dans l'ordre juridique alors que pendant des années le fisc n'a pas appliqué cette taxe, mais ce faisant on risque effectivement de tomber dans l'arbitraire. Alors au nom du groupe MR, j'avais effectivement pris la parole pour dire que cette proposition découlait du bon sens puisqu'elle vise effectivement à rendre légale et régulière une pratique que l'administration fiscale régionale exécute depuis de nombreuses années. Alors, pour ce qui est de l'Open VLD, M. Guy Van Engel a souligné que cette proposition crée effectivement une base légale importante, qu'elle est bonne, et qu'il est important de pouvoir effectivement aujourd'hui exonérer le monde de piété de la taxe régionale. En conclusion, M. Geysels a indiqué qu'il était nécessaire de régulariser et de clarifier le texte sur le plan juridique. Alors, l'ensemble de la proposition a été adoptée à l'unanimité par l'ensemble donc, des commissaires présents. Voilà, Monsieur le Président, pour le rapport. Merci, Madame Aitbala, pour cet excellent rapport. Est-ce que quelqu'un d'autre demande la parole ? Je ne vois pas de demande de prise de parole. La discussion générale est close. Nous passons à la discussion des articles. Articles 1er et 2. Pas de remarques. Parfait. Nous procéderons tout à l'heure au vote nominatif sur l'ensemble de la proposition d'ordonnance. L'ordre du jour appelle la discussion générale de la proposition d'ordonnance spéciale de Mesdames Eliusfi, de M. De Bock, de M. Pitzès, de Mme Tettelbaum, de Mme Lefranc, de M. Moreno, de M. Van Engel, de Mme Rochette, de Mme Debat, M. Kennis et M. Van Kouwenberg, modifiant la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et visant à instaurer l'obligation d'alterner systématiquement le sexe des candidats sur les listes pour l'élection des membres du Parlement de la région de Bruxelles capitale. C'est le document A146/1 et 2. Je vois qu'un amendement a été déposé, mais je suppose que les auteurs en parleront. Il y a un amendement après rapport. De l'Algemene Bespreking is geopend. La discussion générale est ouverte. La parole est à Madame Lecoq, rapporteuse. Vous avez la parole, Madame Lecoq. Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'on m'entend bien ? Parfaitement. Merci. Je fais donc rapport au nom de la Commission des finances et affaires générales qui s'est réunie le 19 octobre 2020 pour discuter de la proposition d'ordonnance spéciale que vous venez de mentionner. Alors, je m'excuse avant tout parce que la discussion a été longue et très intéressante et donc le rapport est assez complet. En tant que première co-auteur de la proposition d'ordonnance spéciale, c'est Madame Nadia Eliusfi qui a introduit le texte. Elle a questionné la réalité de l'égalité entre les femmes et les hommes et souhaité que celle-ci puisse s'ancrer de manière concrète. Elle a affirmé sa fierté de siéger dans un des parlements les plus paritaires tout en insistant sur la nécessité de continuer à y travailler. En effet, la parité imposée sur les listes n'est pas suffisante pour assurer une juste représentation des femmes parce que, comme le relève une étude du CRISP, la place sur la liste a une grande importance dans la visibilité qui est donnée et forcément dans le choix des électeurs et des électrices.
Par conséquent, la députée a estimé que cette proposition d'ordonnance mettant en place un dispositif de tirette constitue une avancée législative indispensable pour la construction d'une société réellement progressiste. En outre, la violation de cette alternance entraînerait automatiquement la nullité de la liste. La députée remercie enfin celles et ceux qui soutiennent largement ce texte, prouvant que face à des questions aussi importantes que celles de l'égalité, les clivages politiques ne sont nullement des freins pour avancer. La discussion générale a été ouverte par Madame Hilde Saab. Celle-ci a dit qu'il ne fallait pas considérer comme acquise l'égalité entre les femmes et les hommes en politique. En effet, si le Parlement bruxellois comporte 44% de femmes, les postes importants sont octroyés en majorité aux hommes. Elle estime donc que la tirette est une des méthodes les plus efficaces pour que des femmes talentueuses accèdent au Parlement et au gouvernement et se réjouit donc de cette ordonnance. Ensuite, Mme Sylvie Van Acter a exposé ses réserves par rapport au texte proposé. En effet, même si Mme la députée convient que l'égalité de représentation entre les hommes et les femmes dans le Parlement est une chose importante, elle estime que la réalité est plus complexe et qu'il faut être attentif à de nombreux autres critères dans la composition des listes électorales et que cela nécessite donc de la souplesse. Elle pense que ce n'est pas en attribuant d'office les places pair ou impair à des femmes qu'on arrivera à cet équilibre et insiste sur l'importance d'avoir des élus et élus de qualité. Elle constate également que déjà aujourd'hui, sans cette ordonnance spéciale, sans cette modification de la spéciale, aucun parti ne positionne tous les hommes en haut de la liste et toutes les femmes en bas et qu'au Parlement bruxellois, il y a déjà 44% de femmes qui siègent. Ainsi qu'au sein d'ailleurs de la commission, de la commission communautaire flamande, siègent en fait 8 femmes pour 9 hommes. La députée a donc annoncé que son groupe ne voterait pas en faveur de la proposition d'ordonnance. À l'inverse, pour le groupe CDH, Madame Véronique Lefranc s'est déclarée ravie de co-signer le texte, estimant qu'il est parfois nécessaire de forcer le changement de mentalité au sujet de l'égalité homme-femme. Si aujourd'hui il y a davantage de femmes en politique, c'est parce que des lois l'ont permis. La députée a fait écho à la même étude du CRISP, concluant que les positions des hommes et des femmes sur les listes électorales, ainsi que le choix des électeurs et des électrices, expliquent la différence significative entre le nombre d'élus et d'élus. Madame Lefranc s'est également appuyée sur un épisode récent au gouvernement wallon pour rappeler qu'aujourd'hui encore, des femmes politiques peuvent être mises en fonction et retirées aussi facilement et que cela démontre l'importance donc de maintenir une vigilance sur ces questions. Madame Latifa Aïd Bala marque son accord sur le fait qu'il faille malheureusement souvent passer par le droit afin de faire évoluer les mentalités et faire en sorte que les schémas mentaux qui sont réfractaires à la place des femmes dans les cénacles politiques puissent être rompus. C'est pour ces raisons que son groupe, le groupe MR, soutiendra la proposition. Pour le groupe écolo, c'est M. John Pitsais qui s'est exprimé, indiquant qu'il sera très heureux de soutenir cette proposition d'ordonnance, disant qu'elle est juste pour celles, pour celles qu'elle concerne, mais qu'elle est aussi bonne pour nos institutions politiques. En effet, la représentation politique doit permettre qu'aucune décision ne soit prise sans l'assentiment des membres de la communauté politique, et cette représentation doit également ressembler à ses membres. Bien que le PRB compte 45% de femmes depuis plusieurs législatures, M. Pitsais voit au moins deux raisons qui justifient cette proposition d'ordonnance. D'une part, c'est une mesure de justice démocratique, parce qu'elle permet aux élus d'atteindre plus facilement les places qui comptent, et que ceci a aussi vocation à inciter d'autres femmes à s'identifier à ces postes. D'autre part, parce que cela augmente la qualité des décisions qui sont prises. Et donc, pour toutes ces raisons, Écolo pense qu'une représentation plus équitable contribue à visibiliser, à compenser et à dépasser les injustices spécifiques que les citoyennes de cette région subissent régulièrement. Monsieur Emmanuel Debock, au nom du groupe Défi, s'est réjoui de cette proposition d'ordonnance spéciale, d'autant plus considérant que c'est son groupe qui était le primo signataire de la précédente proposition d'ordonnance spéciale visant à instaurer l'obligation d'alterner systématiquement le sexe des candidats pour les élections régionales, déposée donc sous l'ancienne législature et non adoptée par manque de voix du côté francophone. Du côté néerlandophone, excusez-moi. Pour le groupe Défi, la parité est une question de protection de la représentation autant des hommes que des femmes. Si la proportion de femmes au sein de l'Assemblée régionale bruxelloise a même grimpé à 47% à la suite de l'installation du gouvernement le député estime que c'est parce que certains partis avaient déjà anticipé la tirette, mais aussi que grâce à la loi de 2004, qui impose aux formations politiques de confectionner des listes de candidats contenant un nombre identique d'hommes et de femmes, ou dans le cadre d'un nombre total de candidats impairs, un nombre de candidats de sexe masculin ne différant pas de plus d'une unité du nombre de candidates de sexe féminin. Monsieur Debock précise également qu'une exception est prévue dans l'ordonnance permettant de déroger à ce système de tirette pour les deuxième et troisième positions.
Enfin, il ajoute que l'article 16 bis de la loi spéciale devrait encore être légèrement adapté en vue de tenir compte du droit à l'autodétermination de leur genre, des personnes qui ne s'identifient ni au genre masculin ni au genre féminin. Monsieur Juan Benrumea Moreno a souhaité mettre en évidence que c'est en 2005, en Espagne, que la tirette a été instaurée pour la première fois, avec un grand succès, puisque dès la première législature suivant l'imposition du mécanisme, 55 femmes sur 109 députés ont été élues, soit une parité parfaite. Dans la région bruxelloise, le député estime que les défis subsistent, notamment au niveau du gouvernement, où il considère qu'il est nécessaire de suivre l'exemple d'autres niveaux, tels que le gouvernement fédéral ou la Commission européenne, où des engagements ont été pris afin de permettre à autant d'hommes que de femmes d'accéder à des postes importants. Selon lui, il est donc nécessaire de rester vigilant pour que les organes importants soient diversifiés. Enfin, comme M. De Bock, M. Benrumea Moreno considère qu'il est nécessaire de permettre aux candidats de s'identifier à autre chose que les genres hommes ou femmes, et il souhaite que le Parlement devienne le plus égalitaire possible dans les années à venir, et précise que ces mesures auront peut-être une limite dans le temps, en espérant qu'un jour elles ne soient plus nécessaires. Monsieur Luc Van Coenberg considère que l'égalité entre les hommes et les femmes n'est toujours pas une réalité. Il qualifie cette situation de honteuse et proclame que la lutte continuera. Le groupe PTB soutiendra la proposition et le député demande d'ailleurs à la co-signer. Pour Agora, Monsieur Pepe Inkenis a assuré que pour améliorer la démocratie représentative, il faut tenir compte de l'inégalité qui existe aujourd'hui entre hommes et femmes et que pour cette raison, il soutiendra la proposition. Le député chiffre à l'appui a fait remarquer qu'à d'autres égards, la composition du Parlement ne reflète pas assez la population bruxelloise, et c'est le cas si l'on regarde du côté de l'âge ou du niveau d'études des députés. M. Kinis a aussi précisé qu'une amélioration de la démocratie représentative était nécessaire, et ceci notamment via la participation, la délibération et la démocratie inclusive. Enfin, Madame Nadia El-Yousfi remercie ses collègues pour les commentaires ainsi que pour leur large soutien. Elle rappelle par exemple qu'il reste d'énormes progrès à faire. Ainsi, sous l'ancienne législature, tous les hommes siégeant au bureau étaient vice-présidents, tandis que toutes les femmes y étaient secrétaires. Elle estime ainsi que tous les partis ont une responsabilité et que chaque personne doit s'y engager, femme comme homme. Il y a donc eu une ouverture à la co-signature. Monsieur Luc Van Coenberg est associé à la liste des co-signataires de la proposition d'ordonnance spéciale. Et enfin, par rapport au vote, l'ensemble de la proposition d'ordonnance a été adopté en commission par 14 voix contre 1. Voici. Merci beaucoup, Madame Lecoq, pour cet excellent rapport. J'ai vu qu'il y a des demandes de prise de parole d'une série de collègues à distance. Et puis parfois on me dit je prends, puis je ne prends plus. Alors je vois Anne-Charlotte Durcel. Est-ce que Anne-Charlotte Durcel souhaite intervenir sur ce point-ci ou c'était le précédent ? Elle ne m'entend pas. J'ai vu Madame Tettelbaum qui souhaite intervenir. Madame Tettelbaum, est-ce que vous m'entendez ? Oui, Monsieur le Président, merci. Est-ce que ce n'est pas la première auteure, Madame El-Yousfi, d'abord ? Elle l'a... Ah oui, mais c'est parce que, excusez-moi Madame Yousfi, je regardais le chat en même temps, comme je ne voyais pas, je suis passé une étape, je m'excuse. Je dois d'abord donner la parole à Madame Yousfi, et puis je donnerai la parole au suivant. Excusez-moi Madame Yousfi, et désolé aux autres intervenants. Madame Yousfi, vous avez la parole. Pas de souci, Monsieur le Président, et merci. Merci à Mme Lecoq pour son excellent rapport qui était très complet. Et très heureuse qu'on arrive à ce vote en plénière pour ce texte hautement important dans le combat qu'on mène toutes et tous, rappelons aussi les hommes qui sont à nos côtés. Et pendant longtemps, évidemment, les femmes n'étaient pas présentes dans les lieux de pouvoir et les débats autour de l'égalité ne se menaient malheureusement trop souvent qu'entre hommes. Et c'est grâce à la volonté et à la détermination de nombreuses femmes auxquelles il faut rendre hommage. Ce n'est plus d'actualité, mais reconnaissons-le, le chemin est encore long et il y a énormément de travail. Et tant que l'égalité n'est pas conquise dans toutes les sphères de la société, dans tous les recoins de notre vie politique, sociale, économique et privée, tant qu'il existera des disparités et des inégalités, et surtout des inepties phallocentriques dans le traitement des femmes, le combat ne sera évidemment pas terminé. Évidemment, comme la rapporteuse l'a expliqué dans notre débat, nous sommes dans l'une des assemblées parlementaires les plus paritaires de Belgique. Et évidemment, je suis, et pas la seule, fière d'y siéger suite au combat, comme je l'ai rappelé, de beaucoup de femmes bien avant nous.
Et ce n'est pas du hasard ou à une bonne étoile qui serait par essence féministe, mais à des dispositifs légaux encourageant une représentation paritaire. En effet, depuis 2004, la loi impose sur les listes des candidats soit composées d'autant de femmes que d'hommes, mais également que les deux premiers candidats soient de sexe différent. Ces dispositifs ne sont malheureusement pas suffisants, comme on l'a rappelé. C'est la raison pour laquelle notre groupe politique pense qu'il faut, à l'instar du légendaire Maurice, pousser le bouchon encore plus loin. Car on sait, grâce aux observations du CRISP, on l'a rappelé, que le degré de visibilité des femmes est important, accordé par les partis sur les listes électorales, est un facteur déterminant dans le résultat des élections et qui influe sur le vote des électeurs et renforce une tendance inégalitaire à terme. Par conséquent, nous pensons que cette proposition d'ordonnance qui mettra en place un dispositif de tirette ayant pour objectif de mettre en place une règle d'alternance obligatoire entre candidats en fonction de leur sexe est une avancée législative non pas nécessaire, mais indispensable pour la construction d'une société réellement progressiste. Nous sommes convaincus, tant les femmes que les hommes, que cette règle assurait indéniablement une meilleure représentation des femmes pour les futures assemblées. J'aimerais évidemment, tout comme celles qui m'ont précédé, raviner le chemin qu'emprunteront les femmes de demain. Évidemment, je tenais à remercier celles et ceux qui soutiennent largement ce texte et qui prouvent évidemment que dans ce type de combat, le clivage politique, nous le dépassons facilement et régulièrement. Voilà, merci pour votre attention. Je ne sais pas, Monsieur le Président, s'il faut déjà présenter l'amendement ou pas. On le fera au moment de la discussion des articles, Madame Eliusfi. D'accord. Ça va. Merci à tous. Alors, à ce stade, moi j'ai comme demande de prise de parole Madame Teitelbaum, Mevrouw Rochette et Mevrouw De Baetz. Y en a-t-il d'autres qui souhaitent? Je vois Madame Lecoq aussi. Tout le monde va intervenir. Ok. Donc tout le monde. Je propose l'alternance homme-femme dans ce débat. Ça va être compliqué parce qu'il faut aussi l'alternance linguistique, pas l'oublier, qui n'est pas l'objet de et majorité opposition. N'oubliez pas. Bon, on va le faire dans l'ordre habituel. Je pense que ça va être plus simple. On commence par le groupe MR. Je cède la parole à Madame Teitelbaum. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je tiens évidemment avant tout à remercier ma collègue Nadia Eliusfi pour avoir déposé ce texte et l'avoir ouvert à co-signature parce que au-delà, cela a été dit, au-delà de nos clivages politiques et des différentes sensibilités qu'on peut avoir, on partage évidemment pleinement ce combat pour les droits des femmes et la nécessaire représentation équilibrée qui doit mener les femmes et les hommes à partager le pouvoir de décision et ceci depuis plusieurs années. Merci beaucoup, Nadia, pour ce travail. La parité a pour objectif un partage équilibré de ce pouvoir de décision politique entre les sexes et donc une représentation égale des femmes et des hommes dans tous les organes de décision de la vie publique, c'est-à-dire qu'ils partagent ensemble la faculté de prendre des décisions qui vont affecter la gestion commune, le bien commun, l'avenir de toutes et tous. Aujourd'hui, dans la majorité des pays européens, il faut bien le dire, et exception faite des pays nordiques, dont on pourrait peut-être s'inspirer de certaines politiques en matière d'égalité, les femmes sont toujours sous-représentées dans la prise de décision politique, mais aussi économique d'ailleurs. Les facteurs symboliques liés au rôle traditionnel attribué aux hommes et aux femmes a évidemment une importance trop souvent minimisée. Cette prise de décision est encore trop souvent considérée comme le domaine des hommes. Or, il n'y a pas de démocratie moderne sans égalité femmes-hommes. Dès lors, il faut développer une stratégie afin de permettre aux femmes de gagner en visibilité. Cette proposition s'inscrit dans ce cadre. Et comme l'a rappelé ma collègue Eliusfi, c'est une mesure de plus, enfin l'a rappelé dans le texte, en tout cas, c'est une mesure de plus dans une longue série de mécanismes initiés depuis 1994 avec la loi Smet-Tobak qui limite la présence des candidats d'un même sexe à 2/3 sur une liste électorale et qui sera appliquée pour la première fois aux élections législatives de 1999. Cependant, cette loi n'obligeait pas encore les partis à placer les femmes en ordre utile sur les listes. Finalement, et peut-être c'est intéressant de le rappeler, ce n'est qu'en 2002 que l'égalité entre femmes et hommes est enfin consacrée à l'article 10 de la Constitution. 2002. De plus, à ce moment-là, le législateur doit favoriser l'accès des femmes aux mandats effectifs et publics. Et donc, la même année, l'obligation de parité sur les listes sera mise en place pour les élections à venir. Officiellement, donc, l'égalité entre les femmes et les hommes est reconnue, elle est légalisée, mais dans les faits, on le sait, des discriminations et des inégalités substantielles persistent.
L'obligation d'alternance entre femmes et hommes aux deux premières places sera effective dès 2005. Et on remarque qu'en 2003, il y a plus de 30% des parlementaires élus qui seront des femmes. Aujourd'hui, nous sommes à 43,8%. C'est donc une grande avancée. La Tirette est donc un outil important dont on peut, à l'heure actuelle, faire l'économie, parce qu'on devrait arriver à la parité, évidemment. Sans des outils légaux contraignants, l'évolution serait beaucoup trop lente, on le sait, on l'a vu d'ailleurs. L'évolution des droits des femmes n'est pas constante, elle n'est pas linéaire et elle souffre régulièrement de recul, il faut le rappeler. Et c'est le cas dans différents pays, dont on l'a vu récemment, la Pologne, avec les reculs en termes de droit au choix pour l'avortement. Alors après les lois, il faut bien entendu que les mentalités évoluent parce qu'on ne se débarrasse pas en quelques décennies de la tradition et de l'héritage du passé, il faut le dire. Beaucoup d'hommes et de femmes ont encore été élevés dans un monde finalement modelé qui consacre le rôle des mères qui ne travaillent pas ou qui travaillent à temps partiel et c'est rarement leur choix et qui assument les charges ménagères sans rechigner dans ce bel esprit, j'ai envie de dire, de sacrifice de leur bien-être ou de leur épanouissement et carrière personnelle. Même aujourd'hui, on le voit, nombreuses études montrent que les femmes s'investissent encore toujours moins que les hommes en politique par auto-exclusion ou par conditionnement social, par un manque de revenus ou par manque de temps. Mais il faut le dire aussi, petit à petit, les choses évoluent dans le bon sens et on le voit aujourd'hui d'ailleurs quand on regarde notre assemblée et on nourrit l'espoir que nos filles, petites filles, pourront choisir librement la vie et la carrière qu'elles voudront mener. On a d'ailleurs déjà pu constater l'efficacité de cette mesure dite de la Tirette lors du résultat des élections communales de 2018 où on a pu constater une réelle augmentation vers la parité pour les conseillers et conseillères communaux communales de presque, on va vers les 50% avec une réelle progression. Pour les collèges, suite au quota voté ici, ensemble, lors de la dernière législature, non sans mal, il faut le dire, le tiers minimal est de rigueur dans la plus grande majorité des communes, je crois qu'il en reste une où ce n'est pas le cas. Reste, il faut le dire aussi aux partis, aux médias, de comprendre qu'il faut aussi une stratégie médiatique pour une meilleure visibilité des femmes. Selon une étude de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en 2015, seulement 21% des intervenants dans les médias sont des femmes. Cela doit aussi changer pour faire évoluer les mentalités et afin que les choix posés par les électeurs et les électrices se nourrissent d'images, de rôles modèles, de discours ancrés dans la ligne du temps pour que ça devienne finalement une habitude de choisir la meilleure personne pour la fonction et pas seulement le meilleur homme pour la fonction, même si c'est de manière encore inconsciente, comme je l'ai dit, nourrie par l'image d'une réalité quelque peu déformée. Il s'agit donc ici d'une étape vers une meilleure représentation de la majorité de la population qui ne peut pas rester une minorité politique. Et je rassure M. De Bock, ce qui protège les femmes aujourd'hui protégera les hommes demain, car nous sommes bien décidés à avancer vite dans cette évolution. Et vous l'aurez compris, M. le Président, le groupe MR qui a co-signé le texte votera bien entendu pour. Merci. Merci, Mme Tettelboom. Dan geef ik nu graag het woord aan mevrouw Van Achter. Ja, we gaan kijken op mijn schermpjes naar mevrouw Van Achter van de N-VA. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wil ook graag tussenkomen op dit debat, want het is wel een belangrijk debat. En ik wil goed mijn positie uitleggen. Toen ik in 2014 voor het eerst op een lijst ben gaan staan en ook verkozen geraakt ben, dan zat de lijstvorming bij ons zo ineen. Het was een man die trok, het was vervolgens Lisbeth, een dame die op tweede plaats stond. Ik stond op plaats 3 en op plaats 4 en 5 stonden mannen. En ik weet nog, het was iemand, de ondervoorzitter toen van onze partij die de lijst voor Brussel maakte. En ik zei, maar ja, ik wil ook wel op 4 staan. Hè. Allee, komende vanuit, hè. Vanuit de privé, niet bezig echt met de politiek. Wel heel politiek geïnteresseerd, maar... En hij zei, nee, ik wil dat u op 3 staat. En dat die twee mannen, waar ik minder vertrouwen in heb, hè, dus, hè, minder kwaliteit hebben, vind ik, zei die man tegen mij, die moeten op 4 en 5, die moeten achter u staan.
Ja, ik kon dat ook zeggen. Die zijn niet verkozen geraakt. En ik zeg, oké, doet jij dat maar, zet jij mij dan maar op 3. Hè? En één man en dan 2 vrouwen en dan 2 mannen. Uiteraard, ja, zijn dat dan die verkiezingen? En was ik verkozen met meer stemmen, gelukkig, dan die 2 mannen achter mij. Want sinds die dag is een van die mannen tegen mij aan het zeggen, nog altijd, ja, maar mevrouw van achter, u heeft die plaats gekregen, want u heeft familie en dit en dat. Wat helemaal totaal irrelevant was. Maar die vindt constant, zelf in de media, manieren om mij zwart te maken, om te zeggen, u heeft dat niet verdiend. Ik kan dan zeggen, ik weet vanuit diegene die de lijst gemaakt heeft, die tegen mij zei, ik heb meer vertrouwen in u, ik geloof in uw capaciteiten, ik wil u op 3 zetten, ja. En dus ik weet waar ik ook voor sta, dus ik laat mij ook niet doen. Ja? En ik had ook meer stemmen dan die op 4, dus die heeft eigenlijk niet veel te zeggen. Hij had ook gewoon meer stemmen kunnen halen. Maar toch, ik weet dat ik op die plaats stond, niet omdat ik een vrouw was, maar omdat ze in mij geloofden voor mijn capaciteit. En ik heb ook, we kunnen ook die man op 4 geen motieven geven om te zeggen van, u stond daar omdat u een vrouw was. Nee, want dat was niet het geval. En dat is exact waarom ik vandaag niet voor deze resolutie en voor deze tekst kan stemmen. Het is niet mijn geslacht die bepaald heeft op welke positie ik stond. En je hebt altijd mensen die het niet gunnen of die kwaad zijn of dit of dat. Maar ik denk dat je wel eens discussies gaat kunnen hebben die gaan zeggen van, ja, maar het is omdat u een vrouw bent dat u daar stond. En dat is niet wat mag. Want politiek is geen eenvoudige wereld. En u engageren om politiek te doen, je moet al goed uw mannetje kunnen staan. En heel veel vrouwen, we hebben hier uitstekende vrouwen in dit parlement. We zijn trouwens met 44%, zonder die rits. Hè. En we zijn in de VGC met 47% zonder de rits. Dat zijn allemaal omdat de partijen geloven in die vrouwen die op hun lijsten staan. Omdat de kiezers geloven in die vrouwen en daar ook op stemmen. En dat is niet omdat wij vrouw zijn dat we daar stonden, dat is omdat we vrouw zijn, omdat we de juiste kwaliteiten hebben en de juiste capaciteiten hebben om er te staan. En dat onze politieke partijen erop vertrouwden dat we voor die redenen daar ook stonden. En daarom ben ik tegen nu die rits, omdat dat eigenlijk iets zeggen is dat we er niet meer op vertrouwen dat onze politieke partijen, de lijstvorming correct gaan doen. En dat ze gaan niet meer op vertrouwen dat ze de goede vrouwen zouden zoeken die zich willen engageren, die zich willen verkiesbaar stellen. Want je moet daar echt op zoek naartoe gaan. Het is soms moeilijker om vrouwen te vinden om zich verkiesbaar te stellen dan mannen. Dat is mijn eigen ervaring. Maar wij doen dat omdat we dat belangrijk vinden. En het is inderdaad van primordiaal belang dat we parlementen hebben die evenwichtig zowel mannen als vrouwen vertegenwoordigen. Dat is gewoon belangrijk dat heel de maatschappij, iedereen een plaats kan krijgen op onze lijst en dat we daar ook allemaal voor naartoe gaan. En dus eigenlijk nu vandaag zeggen we hebben er geen vertrouwen in dat de politieke partijen dat gaan blijven inzien dat dat belangrijk is en dus we moeten een regeltje maken, we moeten het opleggen. En dat vind ik een zwakte bot. Want tegen mij konden ze dus niet zeggen dat ik daar stond omdat ik een vrouw was. Ik heb dan de lijst getrokken de volgende keer. Dat was ook niet omdat ik een vrouw was, dat gewoon omdat mijn partij dat zei, jij gaat dat doen. Voilà. En dus bij deze vind ik dat we daar niet moeten de plaats op een lijst laten afhangen van geslacht. Dat is belangrijk. En dat iedereen moet beseffen voor zijn partij dat dat belangrijk is. Dat we evenwichtige lijsten maken. Dat we goede vrouwen hebben. Dat we die bovenaan zetten. En dat we die laten schitteren in het parlement. Dus bij deze, ik ben akkoord met de doelstelling. Maar de manier waarop we dat gaan willen bereiken, dat denk ik dat je risico hebt dat er nadien gaan zijn die zeggen, het is omdat u een vrouw bent, dat u die plaats heeft gekregen. En dat vind ik geen correct manier van... Dat is niet correct. Het is niet om uw geslacht dat je ergens staat. En dat is net wat we hier wel gaan invoeren. Nee, natuurlijk niet. Dat is niet zo. Dat vragen ze niet aan mannen, maar dat zeggen ze wel tegen vrouwen. Dank u wel, mevrouw Van Achter. Alors, pour le PS, je présume Nadia El Yousfi. Non?
Elle s'est déjà exprimée, je pense. Oui. Je peux passer à Groen. En voor Groen neem ik aan dat het Soetkin Hoessen zal zijn. Nee. Ah, Juan. Maar het is beter om de winst te laten verdedigen door de mannen, hè. Juan, meneer de voorzitter, zo kunnen we een beetje rits blijven doen, hè. Ik ga niet te veel toevoegen, want ik denk dat mijn collega's al heel veel gezegd hebben en zeker collega Teitelbaum een mooie geschiedenis heeft gegeven van waarom die wetten belangrijk zijn, waarom dat het echt nodig is om politieke partijen soms te verplichten om die evenwicht mee te nemen. En dat het effectief werkt, dat het effectief een verschil maakt. En dat we inderdaad voorbij de anekdote van de ene of de andere wel vaststellen dat als we regels instellen, dat wel een effect heeft. Dat het er wel voor zorgt dat onze parlementen evenwichtig zijn. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat de een of de andere persoon daar staat omdat die een man of een vrouw is. Maar dat we als maatschappij ervan uitgaan dat mannen en vrouwen evenveel kwaliteiten hebben en evenveel representatief zijn in de parlementen. En dat we daarom, net daarom, een evenwicht in de lijsten nodig hebben. Als het parlement van 2/3 van de een of van de andere geslacht zou samengesteld zijn, dan zou dat een bewijs zijn dat we niet representatief zijn en dat talent en kwaliteiten verspild worden, want dat zou niet de samenstelling daarvan in de maatschappij weerspiegelen. Dus onze groep zal dit steunen. Ik heb het al gezegd in de commissie en ik zeg het opnieuw. Voor ons is de strijd nog niet gestreden. Er zijn nog tal van instellingen waar de pariteit nog niet bereikt is. En zijn we dan ook waakzaam om in die instellingen die pariteit ook mee te brengen en ook waakzaam voor de evoluties in onze maatschappij en voor het feit dat sommige mensen zich niet tot de ene of de andere geslacht willen identificeren en dat ook onze regelgeving daarmee rekening moet houden. Dus het is een ja, maar het is ook een ja voor de vele initiatieven die zullen komen en een soort ongeduld dat ze snel zullen zijn en we zullen er ook een vragende partij en, voor zijn en die initiatief nemen om ze ook aan ons parlement voor te stellen. Bedankt, meneer de voorzitter. Dank u wel, Juan Benjumea. Voor de PTB. Wie wil prendre la parole pour le PTB? Ah, mevrouw de Smet. Ja, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Donc, on va bien évidemment soutenir ce texte. Donc, je pense que mes autres collègues ont déjà bien expliqué la nécessité d'avoir ce genre de règles pour qu'on avance dans l'égalité homme-femme au niveau politique. On voit que ça a été nécessaire de mettre la parité, notamment sur les listes, pour qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui soient élues au niveau des différents niveaux de mandataires. Et donc, je voudrais quand même donc pointer le fait qu'on vit dans une société qui est fondamentalement inégalitaire du point de vue des femmes et qu'on a effectivement besoin de continuer à avoir ce genre de règles et de les renforcer pour avancer entre l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors évidemment, ça ne résout pas tout non plus au niveau de l'égalité homme-femme. Et il y a aussi toute une série de barrières qu'on doit encore aussi faire sauter avant que les femmes n'arrivent même à s'engager politiquement, que ce soit sur le terrain ou même juste franchir le pas de se faire membre d'un parti. Toutes des barrières, notamment au niveau socio-économique. Et on sait très bien aussi que l'émancipation des femmes passe par l'égalité des salaires et le rehaussement des pensions qui sont beaucoup trop faibles pour elles, pour qu'elles puissent vivre non seulement d'une manière digne, mais aussi d'une manière indépendante et puissent vivre leur vie et s'engager au niveau de la société, pas seulement en politique d'ailleurs, mais aussi au niveau associatif, culturel ou sportif. Alors, je voudrais quand même dire aussi que pour le PTB, on trouve vraiment la position de la NVA assez lamentable, en fait. Et on ne comprend vraiment pas pourquoi ils ne soutiennent pas ce texte. Pour nous, c'est plutôt encore une façon de montrer leur position assez rétrograde sur la question des femmes, et ce n'est pas la première fois. Donc il y a beaucoup de débats au niveau éthique, notamment au fédéral, que ce soit sur l'avortement ou aussi d'autres questions qui mettent à mal le droit des femmes. Et il y a aussi toute la question même socio-économique. Donc il y a à l'heure actuelle un secteur qui est en train d'être au front au jour le jour, qui est le secteur des soins, avec énormément d'infirmières qui se trouvent dans les hôpitaux, qui sont là au chevet des patients, qui sauvent des vies au péril de la leur.
et tout un personnel à qui on a imposé la pension à 67 ans. Et quand vous discutez avec eux, avec elles, la première chose qu'elles vous disent, c'est « on ne va jamais tenir jusqu'à 67 ans ». Alors, c'est une mesure qui a été mise en place notamment par la NVA quand elle était au gouvernement précédent. Et donc, je peux vous dire, Madame Van Achter, que tout ce personnel des soins, où il y a énormément de femmes qui travaillent, ne vous dit pas merci aujourd'hui. Qui prend la parole? Oui. Marie, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je suis désolée, j'avais des problèmes de son, je ne vous entendais pas. Mais donc, effectivement, en fait, la discussion a été vraiment longue et constructive en commission, donc je vais être la plus courte possible. Effectivement, comme Madame El Youssefi, chez Ecolo, on ne pense pas non plus qu'il suffit d'avoir une bonne étoile pour que la représentation des femmes augmente dans les milieux politiques. Et c'est pour ça que depuis longtemps, chez Ecolo, on a mis des règles auxquelles on ne peut pas déroger. On se les applique depuis longtemps, et ce, depuis nos mandataires locaux jusqu'à la coprésidence fédérale. Alors, vu la grande unanimité que nous retrouvons aujourd'hui dans ce Parlement sur ce débat, on suppose évidemment que l'ensemble des partis pourra avancer dans cette voie-là, y compris dans leurs règles internes. Je terminerai simplement en disant que, selon nous, la tirette est aussi utile et efficace pour faire émerger des cadres politiques. On l'a vu ici tout récemment, sur 28 chefs de cabinet, seulement 9 sont des femmes. Et quand on regarde les directions politiques des partis, c'est encore pire puisque là, il n'y a que des hommes. Et donc, à notre sens, c'est aussi le fait de faire émerger des personnalités politiques femmes, c'est aussi une manière de rendre ces métiers, ces postes-là, imaginables lorsque l'on est une femme et qu'on se demande si on pourrait avoir un chemin politique comme engagement. Voilà, je ne vais pas être plus long que ça. Je pense que l'ensemble des arguments ont été rappelés dans le rapport. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Lecoq. Nu geef ik graag het woord aan mevrouw Carla de Jong voor de Open VLD-fractie. Dank u wel, meneer de voorzitter. Beste collega's, er is een algemene consensus rond de doelstelling. De juiste verhouding mannen en vrouwen is al jaren in de politiek een streven en feitelijk in alle geledingen van de samenleving. We maken vooruitgang, er wordt meer en meer rekening mee gehouden, maar we komen van zeer ver en het gaat waarschijnlijk nog altijd te traag. Maar ik zou zeggen, de trend is gekeerd en die wettelijke bepalingen hebben een handje bijgedragen, waardoor dat die reflex nu ook meer en meer spontaan gebeurt. We zien in alle fracties een duidelijke verandering, niet enkel wat de parlementsleden betreft, maar als ik zo even naast mij kijk, bijvoorbeeld ook wat de fractievoorzitters betreft. Ik heb 5 vrouwelijke collega's, 6 momenteel, als ik de interim fractievoorzitter van Ecolo meetel. Ik geef dat gewoon om aan te tonen dat het feitelijk vanzelfsprekend is. Over de manier om een juistere verhouding te bereiken is er niet altijd eensgezindheid. Of daar zijn nuances. Het voorliggend voorstel is alvast een instrument om tot een juistere verhouding te komen. Wij leggen de nadruk op het feit dat deze wettelijke regelingen instrumenten zijn en geen doel op zich. We moeten ze dus durven herevalueren eens het doel bereikt is. En we hebben ook nooit verborgen dat wat ons betreft het afschaffen van het devolutieve effect van de lijststem een nog beter, een nog sneller instrument zou zijn dat bovendien de rechtstreekse inspraak van de burgers zou versterken in hun vertegenwoordiging. Nu, wat het amendement betreft, gaan we dit uiteraard steunen. Ik denk dat het geïnspireerd is door de praktijk, waar we weten dat een louter theoretische toepassing zeker bij kleine fracties contraproductief zal zijn. Het geeft aan die kleinere fracties de mogelijkheden om, zoals dat in het Frans zo mooi zeggen, de corriger le tir. En het houdt natuurlijk ook rekening met het bijzonder belang van de lijstduwersplaats in de praktijk. Open VLD zal dit voorstel steunen. Dank u, mevrouw De Jong. Je cède à présent la parole à Monsieur Debock pour le groupe Défi.
Merci, Monsieur le Président. Vous ne mesurez pas combien je suis heureux ce matin de voir pour la deuxième fois, finalement, ce texte sur la table. Cela a été rappelé par notre rapporteur et je salue la qualité de l'exhaustivité du rapport qui a rappelé effectivement que lors de la précédente législature, nous avions réalisé le quasi-strike, si je puis dire, puisque nous avions déjà déposé et voté au niveau communal l'alternance homme-femme sur les listes électorales, avec l'exception évidemment de la première place et de la dernière place, pour permettre effectivement que les places de combat, qui sont certes symboliques, mais puissent également voir les femmes et les hommes l'occuper sans une discrimination dans le choix des partis sur ces listes électorales. Vous souviendrez qu'on avait en fait obtenu une majorité lors du vote dans la précédente législature sur ce texte. Malheureusement, il faut une double majorité, donc dans le groupe linguistique francophone et dans le groupe linguistique néerlandophone. Et je crois qu'aujourd'hui, ce sera la bonne. J'espère que l'adage jamais 203 ne s'appliquera pas ce soir lors du vote. Et je remercie d'avance les collègues qui soutiendront donc ce texte. Et j'espère qu'il dépassera la majorité et l'opposition et que les réserves que d'aucuns ont émises lors de l'approbation en commission pourront peut-être encore trouver écho à travers ce débat parlementaire, parce que je crois sincèrement qu'une assemblée parlementaire doit avant tout ressembler à la société qu'elle représente, et il n'y a pas de discussion à avoir quant au fait qu'une société est composée d'hommes et de femmes à parts égales, et chacun doit pouvoir trouver sa juste place. Cela vaut pour les femmes qui ont été trop souvent abandonnées quelque part ou pas prises en compte par les assemblées parlementaires, mais aussi par un certain nombre de cénacles qui étaient réservés historiquement aux hommes. Mais je le dis aussi à l'attention des hommes, ceci finalement protégera celles et ceux qui demain composeront les cénacles que je viens de citer. Pour le reste, je voudrais encore ajouter que nous avons pris d'autres dispositions lors de la précédente législature, comme la suppression des suppléants. Tout cela participe en réalité à avoir aussi une assemblée qui soit moins particratique et où le choix citoyen soit d'abord celui qui va faire en sorte que sociologiquement le citoyen décide de qui le représente. Et j'espère que nous pourrons en fait continuer à être l'assemblée la plus représentative de ses électeurs. Je vous remercie. Merci, monsieur De Bock. Nu geefik graag het woord aan mevrouw Rochette voor de One Brussels SPA fractie. U hebt het woord, mevrouw Rochette. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, het is eigenlijk te betreuren dat we in het jaar 2020 in dit gewest een dergelijke ordonnantie moeten goedkeuren. Ook al zijn er de laatste jaren enorme stappen gezet in de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen, en is dit parlement een heel voorbeeld, blijft een uitdaging om een werkelijke gelijkheid te bekomen tussen mannen en vrouwen. Daarom steunt One Brussels SPA deze ordonnantie en ik wens mijn collega Nadia El Yousfi te bedanken voor het initiatief. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is enorm belangrijk en als we het daarover hebben, kunnen we niet uit het oog verliezen dat in ons land, naar schatting 5% van de bevolking, transgender en of intersexe personen zijn. Er is al een hele lange weg afgelegd, maar er is nog veel werk aan de winkel met betrekking tot het bewustzijn van verschillende situaties van gender en of geslacht. Een debat dat gevoerd wordt over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen mag deze groep van intersexe personen niet uit het oog verliezen. Het is zeer belangrijk om hun rechten te beschermen en ik ben dan ook heel blij dat deze groep expliciet benoemd wordt in deze bijzondere. Deze ordonnantie zal gepreciseerd moeten worden op vlak van het recht van de personen om zelf hun gender te bepalen indien zij zichzelf niet als behorend tot het mannelijk en of het vrouwelijk gender beschouwen. Deze ordonnantie zal dus moeten evolueren in geval van een wijziging van het federale wettelijk kader met de erkenning van het niet-binaire karakter naast het mannelijk en vrouwelijk gender. Ondertussen, en dat is goed nieuws, gaf de federale minister van Justitie
Yes, Vincent van Quickenborne onlangs aan in zijn algemene beleidsnota dat hij werk zal maken om genderneutraliteit in te voeren en niet-binaire burgers de mogelijkheid zal bieden om de genderidentificatie X te gebruiken. Vanaf het moment dat dit op federaal niveau gerealiseerd wordt, zullen we een aanpassing moeten doen aan deze ordonnantie, vermoed ik. Bij Black Lives mannen en vrouwen zonder daarbij intersexe personen uit het oog te verliezen. En we steunen daarom ten volle deze bijzondere ordonnantie. Dank u, mevrouw Rochette. Je cède à présent la parole à madame Véronique Lefranc pour le groupe CDH. Madame Lefranc, vous avez la parole. Je vous remercie, monsieur le président. Donc, je tiens tout d'abord à remercier Madame El Youssefi d'avoir déposé ce texte et de l'avoir ouvert à la co-signature. Et avant de parler du dispositif en tant que tel, j'aimerais parler de la nécessité du concept de la tirette sur les listes électorales. Mes collègues en ont parlé tout à l'heure en rappelant l'étude du CRISP qui a démontré que la place sur les listes explique la différence significative entre le nombre d'élus et d'élus. On constate que là où les partis ont le choix, c'est-à-dire entre la première et la dernière place, ben, près de 8 cas sur 10, les hommes sont privilégiés. Et les données du CRISP montrent de façon assez claire que le pourcentage d'élus masculins est systématiquement supérieur au pourcentage de candidates féminines. Donc le CRISP parle de la visibilité et décrit quelque part le degré de visibilité des femmes au sein des listes des candidats qui constitue finalement un facteur de grande importance. Sans doute est-ce là même le principal facteur explicatif. Et enfin pour le CRISP, le degré de visibilité des femmes sur les listes de candidats apparaît bien comme l'un des facteurs explicatifs majeurs de l'écart constaté entre la Wallonie francophone et la région bruxelloise à l'issue des élections communales de 2018. La responsabilité donc des partis est pleinement engagée. Il existe donc une importance évidente de concevoir et de conforter les dispositifs permettant une présence équilibrée des femmes et des hommes en politique sur les listes électorales. Alors aujourd'hui, nous allons voter une proposition d'ordonnance spéciale instaurant le principe de la tirette sur les listes électorales de la région bruxelloise. Cependant, j'aimerais aborder un point qui me trouble un peu, c'est-à-dire que nous avons évoqué au moment des discussions dans le développement, mais il y a un point qui n'a pas été demandé juridiquement dans la version initiale. La proposition d'ordonnance spéciale s'est vue amendée hier par la majorité en établissant une dérogation à l'alternance obligatoire pour la deuxième et la troisième place d'une liste électorale. De ce fait, en fait, ça va permettre légalement que la deuxième et la troisième place puissent être occupées par des candidats du même sexe. La justification de l'amendement de la majorité se résume par la volonté d'offrir aux partis politiques un peu plus de flexibilité. Je vous avoue que j'ai un peu du mal à comprendre, parce que si on a des difficultés à placer des femmes ou des hommes, à un moment donné, on aura les difficultés bien au-delà de la troisième place. Et je suis sincèrement en fait peinée par la tournure des choses, puisque non pas c'est évoqué dans le développement, mais nous ne l'avons pas débattu en commission. Et donc, peut-être par naïveté, je pensais qu'effectivement, dans les propositions qui allaient être formulées, cet aspect-là ne serait pas repris, mais l'amendement qui est proposé aujourd'hui, malheureusement, remet cette exception comme une règle. Et donc, j'ai vraiment du mal à comprendre ce revirement. D'abord, parce que le CDH a été co-signataire du texte à la base, et on regrette que finalement, avec cet amendement-là, à mon sens, on perd un peu le principe d'égalité que l'on voulait rechercher. Rédiger un amendement rendant juridiquement effectif une exception qui pour moi reste injustifiable la veille d'une plénière, ça démontre quand même un peu d'ambiguïté. J'ai vraiment, en fait, c'est comme si vous devez escalader dans une montagne et vous êtes presque arrivé au sommet et puis on recule de deux ou trois pas. C'est fort dommage.
Pourtant, on est quand même dans une législature qui est dans une belle dynamique, avec une commission pour l'égalité entre les hommes et les femmes qui a été mise en place, avec des collègues où j'ai le plaisir de travailler sur ces questions, où on arrive à faire un consensus entre la majorité et l'opposition. Et cette exception qui a été remise par cet amendement qui va passer tout à l'heure est un peu ralenti un peu l'effet escompté. Donc, bien évidemment, notre groupe, on va voter pour le texte, mais voilà, je voulais partager avec vous cette déception. Je vous remercie. Merci, Madame Lefranc, Tisnud Beurtenvro, Bianca de Batsvoort, de CD&V Fractie. Ja, dankjewel, meneer de voorzitter, beste collega's, vrouwen in politieke vertegenwoordiging. Dat is al een hele weg die is afgelegd en zoals collega's het zeiden, nu 44% in dit assemblée. Dat is zeker niet slecht, maar we zijn er nog niet. Hè. We moeten streven naar een echte afspiegeling van de maatschappij. En ik ben ervan overtuigd dat de wetgevend kader daarvoor nodig is en belangrijk is. En als dat er niet is, dat wetgevend kader, om die vertegenwoordiging af te dwingen, dan zien we toch wel vaak dat we ter plaatse blijven trappen of meer nog dat we achteruit gaan. En kijk maar naar de Brusselse regering. In de vorige legislatuur was er pariteit. De Brusselse regering, de huidige, heeft dat ondanks alle mooie woorden rond gelijke kansen opgegeven. En als we kijken naar de minister-president, sinds 1989 is dat een exclusief mannelijke aangelegenheid. Dus wanneer komt er eindelijk een vrouwelijke minister-president hier in Brussel? Ook op niveau van de gemeenten. Het is waar dat de drempel verlaagd is, ook door wetgevende kaders, gelukkig maar. En zijn er meer en meer vrouwen in gemeenteraden, OCMW-raden, in schepencolleges. Maar als we dan kijken naar het niveau van de burgemeesters, dan zien we dat ook daar nog altijd een zeer groot onevenwicht is. En waarom is dat belangrijk? Omdat politiek natuurlijk absoluut de plek is waar ook binnen de samenleving rond meer gendergelijkheid wordt gewerkt. En is het dus niet meer dan normaal dat vrouwen zelf en ook gelijkwaardig mee betrokken worden in dat beleid? Ik wil ook de mannelijke collega's bedanken, niet alleen mevrouw Jusfi natuurlijk, die aan de basis ligt van dit document. Ook voor het feit dat ze dat heeft opengesteld naar de oppositie. Het is iets waar, denk ik, oppositie en meerderheid elkaar kunnen vinden. Maar ook de mannelijke collega's. Want als we kijken naar vrouwenemancipatie, dan zien we dat ook in het verleden er vaak belangrijke dingen zijn gerealiseerd dankzij steun van mannen. En dan verwijs ik onder andere naar het stemrecht voor vrouwen. Hadden mannen dat toen, 48, niet gesteund, dan was dat misschien nog veel later gekomen. En dus we hebben mannelijke feministen nodig. Er zijn er in ons midden. En ik ben hen daar heel dankbaar voor. Het is een strijd die we samen moeten aangaan. Kortom, namens CD&V zal ik dat voorstel zeker steunen. Maar nodig ik ons ook allemaal uit om toch verder te gaan voor een hoger aantal vrouwen en uitvoerende posities. Niet alleen binnen politiek. Ik denk dat dat in alle maatschappelijke middens belangrijk is. Maar zeker ook in het politieke bestel, omdat instellingen op die manier democratischer worden en dat dat ook de besluitvorming ten goede komt. Een paritaire democratie met evenveel vrouwen als mannen aan de macht, dat moet ons streefdoel zijn. Ik dank u. Dank u, mevrouw De Baat. Het is nu de beurt aan meneer Kennis voor de Agora. Dank u wel, meneer de voorzitter. Vandaag bespreken we die afwisseling op de verkieslijsten voor de Brusselse gewestverkiezingen. Ik denk dat dat belangrijk is, omdat een parlement beslissingen moet nemen in naam van iedereen en in het algemeen belang. En die beslissingen moeten dus gedragen worden door voldoende diversiteit. We weten dat het al te vaak mannen zijn geweest die beslissen over vrouwen. Dan is het soms inderdaad goed, zoals mevrouw De Baat aanhaalt, dat daar feministen tussen zitten die ook die vrouwen bijvoorbeeld stemrecht willen geven, maar dat is niet altijd zo. Ondernemers die beslissen over werknemers of ouderen die beslissen over jongeren, er zijn voldoende voorbeelden van het gebrek aan die diversiteit in het nemen van algemene beslissingen. Hier zetten we dus een stap vooruit naar een inclusievere besluitvorming. Maar het kan verder gaan, het is ook al een paar keer aangehaald. De belangrijke uitvoerende posten, gaan dan weer niet evenredig naar mannen en vrouwen. Néanmoins, aujourd'hui, notre Parlement est
plus ou moins, plutôt moins que plus, paritaire. Au niveau du sexe, effectivement. Mais ça ne reflète donc pas toute la diversité bruxelloise. Effectivement, le sexe n'est pas juste binaire et il faudrait adapter en conséquence les règles, mais aussi au niveau d'âge et de niveau d'éducation. Par exemple, le Parlement ne reflète pas la diversité bruxelloise. Je vous ai montré ceci avant. Bref, ça, c'est la parité homme-femme. Ici, on a les âges. On voit que le Parlement est surreprésenté au niveau d'âge moyenne et surtout qu'il y a presque que des personnes avec un diplôme supérieur. C'est pas grave. C'est pas non plus ce que je veux que le Parlement ou qu'on impose des règles de ça, ou pour les quotas d'âge ou de niveau d'instruction sur la liste électorale. Mais c'est pour dire que les prises de décisions inclusives, ce n'est pas que par un Parlement que ça passe aussi via des autres moyens de participation citoyenne, de démocratie délibérative. Donc si on fait, par exemple, des tirages au sort avec des quotas d'inclusion, on arrive bien à constituer des assemblées plus inclusives et plus représentatives de la diversité bruxelloise. Dat gezegd zijnde steunen wij deze tekst en zullen we ook op dat soort manieren via loting, via participatie blijven verder werken aan een inclusievere democratie. Betreuren we ook wel de uitzondering die het amendement voorstelt, maar daar komen we straks op terug bij de bespreking van dat amendement. Dank u wel. Dank u, meneer Kennis. Je ne vois plus de demande d'intervention. La discussion générale est close. Nous allons passer à la discussion des articles. Alors, nous allons passer de l'article 1 à 4. Article 1er, pas d'observation ? Adopté. Alors, à l'article 2, nous avons l'amendement numéro 1 qui est déposé par Madame Eliusfi, M. Deboc, M. Pitzès, Mme Tettelbaum, M. Moreno, Van Engel, Madame Rochette, Madame Debat et M. Van Kouwenberg. Madame Eliusfi, est-ce que vous souhaitez dire un petit mot pour expliquer l'amendement ? Vous avez la parole. On ne vous entend pas, Madame Eliusfi. Vous m'entendez ? Je n'entends pas Madame Eliusfi. Voilà. Est-ce que vous pouvez débloquer votre micro ? Est-ce qu'on peut débloquer ? Voilà. Vous m'entendez, Madame Eliusfi ? Ben nous, on ne vous entend pas. Mais un petit problème. Pourtant, tout à l'heure, ça fonctionnait très bien. Bon. Non, on ne vous entend pas, Madame Eliusfi. Essayez un peu en coupant la caméra, si ça fonctionne. Parce que tout à l'heure, on avait... Allez-y. Non. Bon. Je regarde le service technique. On me dit qu'il n'y a rien, c'est chez elle, de son côté. OK. Monsieur le Président. Oui, Monsieur Moreno. On a eu ça en commission aussi. Et en fait, si elle se déconnecte et reconnecte, c'est possible que ça fonctionne de nouveau. Donc, en fait, si Madame Eliusfi sait sortir de la réunion et s'est reconnectée dans la réunion, probablement le micro fonctionnera cette fois-ci. On l'a eu ça en commission budget BICO aussi. D'accord. Alors, je pense qu'elle vous a entendu parce que je vois qu'elle s'est déconnectée. On va attendre 2 secondes. Sinon, je propose que le 2e ou le 3e ou le 4e explique l'amendement. Voilà, est-ce que vous m'entendez ? Voilà, on vous entend. Merci, Monsieur Moreno. Vous avez une baguette magique, Monsieur Moreno. Voilà, il a été de bon conseil. Merci, Monsieur Moreno. Voilà, donc par rapport à cet amendement, il poursuit un double objectif. Le premier, il vise à corriger la formulation donc utilisée à l'article 2 de notre proposition d'ordonnance, donc sous peine de nullité de plein droit. Il s'avère que la formulation est juste, mais en droit français et non en droit belge, d'après une doctrine qui a été portée à notre attention plus tard. Et donc, la nouvelle formulation de cet amendement permettrait d'apporter serait libellée comme suite à peine de nullité sur chacune des listes. Chaque candidat ou candidate doit être de sexe différent par rapport
au candidat ou à la candidate qui précède dans l'ordre de la liste. Et deuxièmement, on peut évidemment comprendre certaines critiques émises, l'amendement vise à corriger un problème de cohérence entre les termes des développements de la proposition d'ordonnance et de son dispositif légal. Donc à la page 3 au 4e et avant-dernier paragraphe des développements de la proposition d'ordonnance, nous pouvons lire « La seule dérogation possible à l'alternance obligatoire concernera les 2e et 3e places. Elle est calibrée pour offrir aux partis politiques un peu plus de flexibilité quant à l'ordre de candidats aux places les plus stratégiques de leur liste, sans pour autant leur permettre de quelque manière que ce soit de favoriser indûment la visibilité ou l'élection de candidats d'un sexe déterminé par comparaison avec l'application stricte de la tirette. » Donc c'est un problème de version du dispositif légal donc qui ne relate pas cette possibilité. Donc notre amendement corrige cette incohérence en libellant le paragraphe 2 de l'article 2 de notre proposition d'ordonnance comme ceci. Par dérogation à l'alinéa qui précède, le candidat ou la candidate occupant la troisième place peut être du même sexe que le candidat ou la candidate occupant la deuxième place. Le but est ici, chers collègues, est de permettre aux listes plus petites et en premier lieu les listes néerlandophones demandeuses de promouvoir des candidats de sexe sous-représenté au sein de notre Assemblée. C'est une faculté qui poursuit un but qui peut être tout à fait compréhensible, mais en tout cas, par rapport à ma formation, donc le groupe PS, nous, on entend observer l'alternance sur ces listes de manière stricte. Et je vous remercie pour votre soutien à cet amendement que j'espère aussi large que possible. Je vous remercie, Madame Eliousfi. Nous passons à présent à l'article 3. Pas d'observation. Il est adopté. L'article 4. Pas d'observation. Adopté. Nous procéderons donc tout à l'heure au vote nominatif sur l'amendement, l'article réservé sur l'ensemble de la proposition d'ordonnance spéciale. Ceci clôture les travaux de notre séance de ce matin. Je vais suspendre la séance. Nous reprenons à 14h avec les questions d'actualité, puis nous poursuivrons l'ordre du jour de nos travaux. Bon appétit. Pour les francophones, il y a Parlement francophone bruxellois. C'est peut-être utile que... Je suppose que tout le monde a vu son mail. Bien compris. Il y a PFB, mais comme ils sont à distance... Ah oui, 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 voilà. On me signale que les chefs de groupe du Parlement francophone bruxellois vont venir donc dans la salle et qu'il est demandé à ceux qui ne restent pas dans la salle de bien prendre, de bien vouloir prendre leurs affaires. Et voilà.
Est-ce que vous pouvez, du coup... Bien sûr. Juste... Avec... Oh, je ne voulais pas le faire. Ah, avec... Non, juste ça, c'était bien. Ouais. Merci, c'est parce que je l'avais déposé. Ouais. C'est un peu ridicule. Ouais. Merci. Tu comprends, je crois. Ce qui est important, c'est qu'il ne faudra pas oublier de changer à nouveau. Hein? Il ne faudra pas oublier de changer à nouveau pour éviter les incidents diplomatiques.
Voilà. Je n'ai pas de sonnerie, je vois. Ah oui. Et je vous propose de commencer. Je crois que vous ne me voyez pas encore. J'espère que... Non, on ne te voit pas, effectivement. Voilà, on essaie de régler ça au plus vite. Peut-être alors... Donc, je demande vraiment service, parce que sinon, c'est compliqué pour les députés. Donc, on commence exceptionnellement, je dirais, notre séance plénière COCOF, donc ce midi. Au cours de sa réunion du mardi 17 octobre dernier, le bureau élargi a procédé à l'élaboration de l'ordre du jour de la séance plénière du vendredi 20 novembre 2020. Est-ce que quelqu'un demande la parole ? Alors, l'ordre du jour...